tant de nouvelles là. Souguine aime tant de paroles là. Nanguine aime tant de nouvelles là. Souguine aime tant de paroles là. Bonjour tout le monde, jeudi, c'est mercredi 30 mai 2018, c'est troisième sortie nouvelle natif natale pour semaine-là. Dans micro, yo, Kimberly Wagnac, plus moi-même, Fedia Sama. Bonjour Kimberly. Bonjour Fedia, bonjour tout le monde. Nouvelle natif natale sur Radio Guinée chaque matin 6h après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6h, yo expérience natif natale. Quelques parmi points n'a bien pour nous développer à travers nouvelle la natif natal lan responsable dans direction de général impôt lancé mardi 29 mai à un séminaire technique sous transparence avec échange renseignement fiscal qui a duré 2 jours dans hôtel Caribe Convention Center Pétionville. Séminaire ça inscrit dans cadre démarche forum mondial OCDE pour faciliter paiement bio joindre moyen pour exercer fonction. Conseil national coopérative organisé mardi 29 mai dans centre convention BRH là, un colloque national sous thème les défis et les enjeux du secteur coopératif haïtien. Direction protection civile en tête collée à Paul Communication organisé mardi 29 mai à une conférence débat dans centre opération urgence nationale Landelma 2 sous accessibilité linguistique bulletin médiatique à conseil météorologique. Responsable en Haïti Air Ambulance rencontré mardi 29 mai 2018 là plusieurs institutions nationales et internationales pour présenter différents services institutions. L'application de la pédagogie nouvelle dans les écoles haïtiennes, une lutte incessante pour un meilleur encadrement des apprenants haïtiens, c'est dans un document réseau enseignants et enseignantes haïtiens présenté mardi 29 mai 2018 là, un outil qui visait porter amélioration dans qualité éducation timon a recevoir dans pays. Société haïtienne KPD aveugle dans une conférence pour la presse mardi 29 mai a annoncé une série d'activités pour commémorer journée caribéenne aveugle 31 mai 2018. 2018 là, sous thème vers l'inclusion scolaire des enfants et des jeunes en situation de handicap visuel. Dans le commencement nouvelle, là, nous prenons dans UHM pour prévision météorologique. Yo. À 7h, on a bien prévision astrologique yo, plus information sportive. Yo. Pour savoir, divers lots va faire essentiel nouvelle là, pour matin, mercredi 30 mai 2018. L'arrêté branché, on a tourné après pause. Là. Hands up, fear color! Sorti 28 mars pour arriver 13 juin, chaque fois où utilisez Soje Kato pour payer achat, vous avez une chance pour participer à un grand tirage Coupe du Monde Soje Kato là. N'a pas yon latrié cadeau. De pour servir à Soje Kato, sorti 28 mars pour arriver 13 juin, d'un coup, yon qui a piquanto tout net, plusieurs billets d'avion, yon dividal télévision, on génératrice, on kit qui gagne 2 panneaux solaires, 4 batteries à on NVT, on tablette à yon séjour de Cameroun. Plus vous utilisez Soje Kato, plus vous avez chance de gagner un tirage 14 juin. Ou même qui pour vos clients Soje Kato, venez dans bon bois. Soje Kato, c'est mettre 4 là. Et pour mondial, c'est mettre terrain en tout. Tirage mondial Soje Kato là possible grâce à support de Man Motors, Automeka, Valeo Yokanez, American Airlines, Sunrise Airways, Royal de Cameroun et PC Express. Radio Guinée, Fokou Guinée pour imiter Guinée. Si ou pas Guinée, même le wap imiter Guinée ou pas jamais ka Guinée. C'est seulement Guinée qui Guinée. Yo expérience natif natal, sans mélange, 100% haïtien. Li fait 6h ak 9 minutes. Une autre fois, bonjour tout le monde, mes développements nouvelles. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Madame Shirley René Saint-Victor, déjà avec nous depuis UHM, pour parler nous de comment temps levé pour matin. Bonjour Madame Saint-Victor. Bonjour Fedia, bonjour Kimberly, bonjour à vous-même Fernand Café Malin Technique, auditeur Radio Guinée, moi salue nous chaque. C'est toujours un plaisir pour nous avoir une unité hydrométéorologique pays d'Haïti pour nous présenter au bulletin pour journée. Comme situation synoptique là, est dans Caraïbes, Black Sea, Atlantique là, pour jeudi mercredi 30 mai 2018 là, eh bien nous gagnons humidité qui n'a pas couche là, n'a pas associé à chaleur journée, à effet local, à type de surface, lui-même qui t'a doué bail activité la pluie sous quelques départements dans le pays.
mais zone anticyclone nan li toujours là, li empêcher activité la pluie et li empêcher tout la pluie à tomber, jan ta dwe tomber, li bloquer nuages qui pou ta former, qui pou bay la pluie sous pays a. Tout pays d'Haïti matin n'a pleuvé avec soleil, n'a gagné nuages nan après-midi à soir. Température à la ville école sous quelques départements dans le pays pendant journée entre 30 à 35 degrés Celsius. Minimal l'absence de la nuit là dans une moyenne entre 20 à 24 degrés Celsius. Activité la pluie nous prévoit ça toujours sous quelques départements dans le pays, mais c'est toujours d'une manière isolée. Sous département sud-est, centre, Nip, Grand-Anse, la Tibonite et département l'ouest pour Assouéa. Sous Port-au-Prince, la zone qui entoure la situation n'a pas changé, n'a pleuvé avec soleil, n'a gagné vent tout, cap soufflant tigeant fort pendant la journée, n'a gagné quelques passages nuagés, n'a après-midi à souhait, température à la privée jusqu'à 35 degrés Celsius pendant la journée sous Port-au-Prince, et la semaine nuit là à 22 degrés Celsius. Nous prévoit activité la pluie encore sous Port-au-Prince, mais c'est toujours sous cette monde qui tout près lieu. Pour la mer, on a continuellement des voiliers, yo, capitaine sur embarcation, yo, pour toujours prendre en pile précaution, que ce soit dans la mer, dans la zone côtière nord, dans le golfe de la Gonâve, et dans la zone côtière sud. Soleil a levé matin à 6h12, la bouchée à Soya à 7h22, et la pleuvée encore demain jeudi à 6h12. C'est là nous mettons fin notre troisième sortie bulletin pour ce maintenant. Nous remercions Fedia, Kimberly, Fernand ou même Staff Permanent Technique. Et nous remercions tous les auditeurs Radio Guinée. Nous allons nous rendez-vous demain si Dieu veut. Nous souhaitons passer une bonne journée sur Radio. Bye bye. Merci Madame Charlie René Saint-Victor. Même tout nous souhaitons passer une agréable journée en compagnie Radio Guinée. Li fait 6h12, n'ap démarré ak information yo. Comité thématique éducation sensibilisation publique direction protection civile nan tête collé ak Pôle Communication organisé en conférence débat mardi 29 mai 2018 là nan centre opération d'urgence nationale nan Delma 2 sous accessibilité linguistique bulletin médiatique ak conseil météorologique responsable communication tenu direction protection civile nan Joseph Edgar Célestin nan intervention. Le fait qu'on ait conférence débat ça réalisé dans objectif pour informer population haïtienne là sous saison cyclonique là qui pral commencer sorti 1er juin pour arriver 30 novembre cap venir là. Il fait sous base pour informer population que saison pral commencer mais aider nous améliorer tout performance nous pour accompagner population en plus bien. L'un tirer leçon dans mois janvier par rapport à saison l'année dernière là nous voyons qui ça nous ca améliorer. Nous essayer par rapport à la thématique, ça a invité des gens qui, en dehors de gestionnaire chaque jour, viennent aider nous réfléchir. La question à l'être là, c'est une question qui est toujours à taouder. Nous, par exemple, nous, la population, Centre national météo, UHM, qu'on est à la fait surveillance, là, protection civile fait diffusion, hein, mais toujours des gens qui traversent les rivières de l'eau. Pas plus tard que dans le mois de mai, il y a un jeune homme qui mourit. Jacques Mel, alors une jeune femme et puis un jeune homme qui disparaît que beaucoup j'aime joindre quoi. L'eau il a laissé jambé. Gain en pile l'autre comportement toujours mon gain malgré alerte ba. N'a peut-être une question est-ce que ces jeunes ou pas jeune alerte, est-ce que c'est comprendre ou pas comprendre, est-ce que c'est cas ou pas qu'à réagir pour des raisons que nous pas connaît. Et bien c'est une raison qui fait nous inviter professeur dans l'université hein, et coordonnateur HM venir aider nous réfléchir dans ce sens ça. Mais activité ça, il pas marché pour compte lui, c'est on paquet l'autre activité qui prévoit de jeudi 29 mai jusqu'à 15 juin. Pour nous marquer début de saison. La balle finit 15 juin et dans le champ de mars avec une grosse exposition sous la question cyclone avec un pile d'animation côté population invitée. Et puis 1er juin, normalement, on a marqué ouverture dans Fort Liberté avec protection civile et puis plusieurs autres partenaires qui après faire et activité dans Fort Liberté, Rivière Malfiti. Nous prenons la protection civile toujours, les gens de 14 ans, toujours. C'est un tout petit département qui travaille à l'arrache-pied. Mais est-ce que comment on fait celle-là pour liberté avec l'Ouest là? Est-ce que nous pas fait l'autre moyen pour l'autre département comme si on était la formation pour préparer ce système? Par exemple, dans 4 quinzaines ans, déjà, nous pour aller Savanette, nous pour aller Fort Liberté, nous pour nous ici Port-au-Prince dans Kounan, nous dans l'autre commune d'où. Mais ça, c'est l'activité que niveau central là, il fait. Mais chaque département a un plan d'action par avec partenaire par pour marquer début de saison cyclonique. Là. Donc, ce n'est pas seulement ici là que nous y sommes aujourd'hui. Hein. Pour qu'on y a là, par exemple, nous avons deux enquêtes qui dans la rue. Il y a une première enquête pour nous voir qui activité qui fait mieux jouer l'information au plus, qui pratique communication.
Est-ce que c'est émission radio? Est-ce que c'est musique? Est-ce que c'est... Parce que dernière enquête que nous avons fait dans ce salle, elle est remontée à 2012. Nous avons l'autre enquête toujours pour nous arriver justement ouais, comment nous avons une question et protection civile là avec question réduction risque avec désastre là. Donc chaque fois on a fait effort pour nous connaître plus. Donc je dis là, nous pas qu'à dire de façon arrêtée, mais qui raison que fait nous continuer à faire. Donc nous avons cherché à comprendre. Et c'est pour ça, par exemple, pour diffusion d'informations, nous multiplier. Viens nous voir information dans la radio, dans la télévision, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes messagerie, autant que WhatsApp. Nous descendons dans la rue, les situations plus difficiles, elles disent par lieu, n'importe quoi. Donc nous multiplions. Mais quand il y a là, nous-mêmes qui s'en attendons à ce que la population joue l'information, elle réagit et bien réagit. Donc bien réagir, je veux dire qui ça. Si je suis dans une zone côté carré, je suis en train de déplacer avant. Si de l'eau descend, je vais traverser les rivières. Donc tout autant nous pouvons arriver ça. Il faut nous poser peut-être nos questions toujours pour nous continuer à améliorer. Dans l'échange qui t'a fait là, justement, tout ça au fait. Par exemple, professeur Pierre-Louis t'a dit que nous n'avons peut-être qu'à traverser les rivières parce que un tel t'a traversé déjà. Ou bien c'est pas juste à la mourir, donc c'est pas rivière qui peut faire mourir. Vous comprenez? Donc nous n'avons peut-être n'y pas conscience de danger ça a représenté pour le traversement de l'eau, cap et descendre. Moi-même, je fais une expérience. Par contre, si nous avons des gros glissements de terrain, ça a presque plus que pratiquement plus que 15 ans, qui devait être Jobel en face de Montana. Donc l'homme retourné n'a laissé comprendre toujours comment la population réagit. Donc il y a des gens qui carrément font caille dans la ville. Donc l'homme pose la question, il répond moi. Bon, pas moi, ça le dit, mais c'est ça le dit, moi je ne peux pas comprendre. Il dit, je fais caille là en face de l'eau. Donc il n'est pas privé sous moi. L'eau n'est pas privé sous moi. Bah, je ne comprends pas. Mais ça que fait le deal, c'est des bagages que le développer, qui fait que le comprendre que, bon, voilà, les cas fait face à un phénomène naturel, ça, en façon ou bien par en l'autre. Prévision, normalement, ils aident nous un peu, ouais, qui gens saison en carré, par exemple. La pire, faut que la moyenne. Moyenne, non, c'est moyenne par rapport à tant de dernières années, côté quantité, en moyenne, non, c'est 12 qui arrivent. Mais tout, les gens doivent moins fort par rapport à l'année dernière. Mais nous-mêmes, ce qui est important pour nous, c'est que nous connaissons un niveau nous en Haïti. Quitte c'est un seul événement qui passe, ça a été catastrophique. Donc, c'est préparer nous pour nous faire face à l'événement. Et ça ne fait pour nous préparer nous. C'est d'abord faire la population connaître que qu'on y a là, nous dans la saison cyclone. Et qu'une fois que nous dans la saison cyclone, il y a des phénomènes qui viennent joindre nous, d'un coup, qui marche avec, gros vent, gros la pli, le mec a monté, car il y a une grosse vague. Donc, une fois qu'on connaît ça, qui disposition pour prendre? Nous faisons campagne de sensibilisation, nous préparer abri provisoire pour les gens qui ont besoin d'évacuer, nous avons un plan contingence, nous. Gagner un pile travail qu'a fait pour curer rivière. Hier, le Premier ministre a dit ça dans la première rencontre du comité national que le a approché pendant plusieurs semaines à approcher. Gagner un pile travail qu'a fait, par exemple, Ravine du Sud a curé, gagner rivière dans la CAE qui a curé, un pile l'autre côté toujours. Gagner mobilisation qu'a pris à poursuivre. Nous-mêmes, bon côté protection civile avec partenaire, nous essayons. Qui paraît possible pour nous accompagner. On m'a demandé la population tout pour le pari. Et slogan, et ça, c'est femme, coup garçon, yon est de l'autre pari. Joseph Edgar Célestin, c'est responsable communication direction protection civile. Il était parlé concernant le cadre de conférence débat journée mardi 29 mai à un centre opération d'urgence lan sous accessibilité linguistique et bulletin médiatique à consigne météorologique. Coordonnateur unité hydrométéorologique là, ingénieur Esther Le Marcelin, dit UHM après le travail pour l'informer population haïtienne lan chaque 3 jours de temps pendant saison cyclonique lan. Toutefois, ingénieur installément des populations hein, pour toujours prendre formation pour connaître comment temps y est chaque jour. UHM, c'est unité hydrométéorologique. Alors, nous travaillons censé 7 sur 7. Et éventuellement, quand on a un phénomène hydrométéorologique, nous travaillons censé 24 sur 24. Alors, information météorologique, nous sommes toujours disponibles tous les jours, soit par voie de presse, nous toujours nous-mêmes, avec Mme Saint-Victor, Mme Christnette Saint-Georges, etc. etc. Avec dit que l'information est toujours disponible. Information, ça, dans la mesure où nous avons une perturbation cyclonique qui est en vue, automatiquement, nous mobilisons UHM. Dans les capacités centrales sur la météorologie, pour permettre que maintenant, nous prenons le travail 24 sur 24. Et c'est là, ça, compte tenu de l'envergure et système, non, donc nous produisons des informations chaque 3 heures de temps. Parce qu'on connaît que Haïti est un pays vulnérable, donc couverture végétale est moins de 2%, etc. C'est-à-dire que n'importe catastrophe, n'importe système aléa hydrométéorologique qui est en vue, automatiquement, qui a vraiment créé problème. Et tout créer problème, ça veut dire que dégâts, perte en vie humaine, dégâts matériels et ce que normalement gagne de pays, même si vous avez une catastrophe naturelle en termes de cyclone qui passait, n'est pas toujours le cas que le gain beaucoup de pertes en vie humaine. Mais très souvent en Haïti, lorsque nous avons une situation de catastrophe naturelle par rapport au cyclone, très souvent on a beaucoup de morts parce que
information météorologique des fois, même si elle disponible, mais elle pas arrivée côté elle supposée arriver. C'est ça que fait dans le cadre de quinzaine de la DPC ça. Il était important aujourd'hui à vous là pour me permettre que me faire valoir ça n'a fait et puis faire valoir tout information météorologique yo, comment par quel canal nous faire passer pour permettre que nous yo aller soit vers la DPC soit arriver joindre entité autorité locale établie. Nous gon problème en Haïti c'est que pas toujours gon culture d'information météorologique. Et sous pas gain culture, il est difficile à ce que pour faire mon en comprendre nos ces bagages. C'est pas une question de thème, veut dire que au cas fini pas habitué à thème non donc finalement on joue ou finit pas comprendre ça le veut dire mais son culture. Il faut que nous apprendre, c'est pas seulement dans saison cyclone pour moun yo gain information météorologique parce que information météorologique est disponible tous les jours, c'est censé 24 sur 24, mais maintenant c'est culture à pour nous gagner pour nous apprendre cultiver, c'est-à-dire que prend information météorologique tous les jours pour nous informer comment situation temps est, comment qui phénomène qui est en vue pour le venir et qui ça phénomène ça cap porter comme dégâts. Généralement, mais comment ça est? Gain des informations météorologiques qui disponible parce que nous gain des stations qui bon situation en temps réel, ça veut dire que en un clic nous capable une information. Mais ça qui vient passer, là on parle de pas de 3 heures de temps. C'est lorsque nous gain un système cyclonique qui formé. Donc étant donné centre mobilisé, nous produit information chaque 3 heures de temps pour permettre que population ka gain maximum d'informations données pendant une journée ou bien pendant 24 heures, pendant 48 heures. Et effectivement, pour toute saison cyclonique, gain des pronostics, c'est-à-dire que des prévisions qui faites à l'avant. Alors, on va toujours aimé dit, on prévision, retour prévision. C'est-à-dire que il gain mai de wali. Donc, maintenant, mais c'est sous ça tout, une bonne agence de consortium, d'agence de centre de service de météorologie nationale tout, à 6 mois à l'avance, j'ai toujours choisi faire des prévisions pour monter comment saison cap venir en yé. C'est ça que fait pour saison 2018 là. Si m d'abord moyenne toute agence ça yo, donc c'est tu as prévoir que c'est une saison que tu as supposé légèrement à la hausse par rapport à la normale. Là me dit à la normale parce que normale moyenne des 30 dernières années, c'est-à-dire que de 1981 à 2010, c'est environ 12. Donc ça veut dire que saison 2018 là, il t'a supposé baou environ disons 14 à 18 systèmes qu'on nommait et environ 6 à 7 ouragans et 3 à 4 ouragans majeurs. Lundi ouragan majeur, c'est-à-dire que ouragan qui est capable d'atteindre force 3, 4 et 5. C'était coordonnateur unité hydrométéorologique là, ingénieur Esterlin Marcelin, qui dit UHM après le travail pour informer population haïtienne là, chaque 3 jours de temps pendant saison cyclonique là. Soubopal, professeur faculté sciences humaines là, docteur Luneroc Pierre-Louis, lancé un appel by tout secteur dans vie nationale là pour prendre responsabilité face à catastrophes naturelles. Moi, j'ai développé quand même 3 volets. Un volet concernant l'éducation tout court, l'éducation aux médias, également sensibilisation. Je veux dire qu'à court terme ou à très court terme, c'est la sensibilisation. À moyen, à court et à moyen et à long terme, l'éducation aux médias. Et également, l'éducation tout court à long terme. Ce qui veut dire que la saison cyclonique est déjà arrivée, eh bien, ou bien ce n'est pas seulement la saison cyclonique, Haïti toujours sous menace, sous série de catastrophes naturelles, que ce soit tremblement de terre, que ce soit inondation. Également et toute autre forme de catastrophe. Ce qui veut dire que, sensibilisation veut dire que le premier appel là, c'est un appel à la responsabilité. Citoyen, il faut le comporter tête-li en responsable. Et comporter tête-li en responsable veut dire, c'est déjà là, il ne faut pas banaliser la question, il faut le faire un minimum de compréhension pour comprendre ça. Les gains de messages qu'a diffusé sur question catastrophe, sur question cyclone, sur question inondation, sur question, sur toute l'autre question encore de la vie nationale. Moi, je dis effectivement qu'ils sont pas en question de français ou de créole, non. Dans l'immédiat, soit sensibiliser aux populations. Eh bien, population cible là, c'était qu'arrivé effectivement gon inondation ou bien gon cyclone qui a passé dans le département, qui a passé dans l'autre. Mais si population immédiate, si c'est créole seulement qui a parlé, ou pas les créoles, s'ils qui comprennent les deux langues, ou qui a parlé une autre. Cependant, en juillet, il ne faut que pas penser que bon travail à la base d'éducation doit être fait. Nous n'avons pas gagné toute catastrophe naturelle. Ça y est. Chaque année, nous avons une saison cyclonique. De temps en temps, nous avons une inondation. Mais nous avons un séisme et nous avons l'autre menace. Eh bien, pour la population, nous n'avons pas gagné une série de notions de base, de concepts, de phénomènes. Ça y est. Je dis à moi, dit, dans le cadre d'une conférence de DPC, Koun DPC, même dit également, si c'est dans le domaine de santé publique que tu as invité, moi, je t'ai dit que le pape, non plus, la population n'a pas gagné une série de notions de base, une série d'épidémies.
Vous avez écouté le professeur Roque-Luné Pierre-Louis, qui est professeur sciences humaines, qui vendait tout secteur dans la vie nationale, pour prendre responsabilité face à catastrophes naturelles, surtout dans la saison cyclonique. 6h25 minutes, information va continuer à travers le journal natif Natal Lan, responsable de la direction générale impôts lancé mardi 29 mai 2018 là, un séminaire technique sous transparence et échange renseignement fiscal qui a duré 2 jours. Plusieurs représentants institutions financières publiques tant que privées étaient présents dans le cadre d'activité ça. Directeur général DGI Amira Demorlan dans discours circonstances l'ont fait qu'on est séminaire formation ça inscrit dans le cadre en démarche forum mondial OCDE pour bailler avec paiement des outils pour faire face à une série de problèmes, tant que optimisation fiscale, prix transfert et la trier. C'est avec un grand honneur que nous accueillons ce matin le gratin de la finance du pays dans ses murs pour donner le coup d'envoi à ce séminaire technique sur la transparence et l'échange des renseignements à d'affaires fiscales qu'organise le secrétariat du Forum mondial de l'OCDE à l'intention de nos cadres, des institutions financières publiques et privées. L'événement de ce matin s'inscrit dans la continuité des démarches initiées par le ministre de l'Économie et des Finances en août 2017 auprès du directoire du Forum mondial de l'OCDE en vue de l'adhésion d'Haïti en tant que membre du dit Forum. Haïti a reçu son accréditation en tant que membre suite à la lettre responsive de sa présidente, Madame Maria José Galde, datée de septembre dernier. Pour mémoire, Haïti est membre de l'OCDE depuis 2015. Nous avons intégré en premier lieu le projet du dit de l'érosion à la base des positions et du transfert des bénéfices BEPS durant l'été 2016. C'est l'un des projets phares de l'OCDE. Il vise à donner des outils pertinents aux pays du Sud pour faire face aux aléas de l'optimisation fiscale. Vous avez écouté directeur général DGIAN Mira Demorlan. Secrétaire d'État finance là Ronald Décembre sous bois pas le fait qu'on est échange information fiscale yo c'est un facteur important pour combattre fraude et évasion fiscale. Monsieur Ronald Décembre qui salue initiative là souligne nécessité pour législation fiscale là adaptée à réalité a li dit cap permettre l'État goumen contre blanchiment l'argent. C'est un thème évocateur, un thème assez significatif pour nous au niveau du ministère de l'Économie et des Finances qui sommes engagés dans un processus de réforme des finances publiques de manière générale et la réforme de la fiscalité du système et de la fiscalité en particulier. L'échange de formation, comme vous le savez, est un facteur important dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, puisque c'est à partir des échanges de formation que l'administration fiscale pourra disposer des données devant lui permettre de mieux asseoir sa base d'imposition. Et vous savez que Haïti est devenu membre du Forum mondial. Et c'est intéressant de l'apprendre dans la mesure où ça va lui permettre, cette adhésion, son adhésion à ce forum va lui permettre de pouvoir bénéficier de l'assistance technique et des membres du forum, puisque dans un contexte où le citoyen risque d'appartenir à plusieurs juridictions fiscales en même temps, où le citoyen est le contribuable, et se trouve dans une situation d'allégeance de plusieurs systèmes fiscaux, il est important que nous puissions disposer des informations, chaque État puisse disposer d'informations nécessaires pouvant lui permettre d'avoir des données et capables de lui permettre de mieux assurer son autonomie financière. Vous savez que dans le domaine des prix de transfert, il y a un gap important à ce niveau-là, puisque la base d'imposition des systèmes fiscaux des pays est érodée en raison du manque d'informations à ce sujet-là. Nous sommes réunis pour regarder ensemble les correctifs
nécessaires à faire en matière organisationnelle et en matière de législation fiscale, puisque la législation fiscale devra s'adapter ainsi que l'organisation qui la supporte à cette fin-là. Au top côté, secrétaire d'État Finance, Ronald Décembre. Chef adjoint secrétariat Forum mondial OCDE à Ronald Godfrey mettait accent sur divers problèmes administration fiscale Haïti a confronté. Monsieur Ronald Godfrey souhaitait participer au mettre en pratique connaissance en façon pour porter amélioration dans le système fiscal là en Haïti. C'est un plaisir d'être ici. Je suis le chef adjoint du secrétariat du Forum mondial. Mon collègue Hakim va tout vous dire sur le Forum mondial dans quelques instants. En effet, j'en sais un peu sur l'impôt, mais mon ignorance sur d'autres sujets est presque illimitée. Par exemple, je ne sais rien sur le 60 spec des orchidées en Haïti. Ou les 55 aspects des éponges de mer. Et je parle très mal français, désolé. Pour cette raison, vous allez être à l'écoute de mon collègue Hakim pour les 2 prochains jours. Il vous expliquera le Forum mondial et nos normes. Haïti s'est engagé à mettre en œuvre ses normes et nous sommes ici pour vous aider parce que nous croyons qu'il est dans votre intérêt. Ce sera pas facile. Nous vivons maintenant dans un monde où les exagérations sont présentées comme des faits et problèmes complexes semblant être résolus avec des solutions simples. Mais on ne peut pas construire sur la base d'une version déformée de la réalité. Monsieur Donald Godfrey, c'est chef adjoint secrétariat Forum mondial OCDE. Il était parlé concernant le cadre d'un séminaire technique sur transparence et échange renseignement fiscal qui a duré 2 jours, qui visait les pays membres OCDE aux outils pour faire face à une série de problèmes, tant qu'optimisation fiscale, prix transfert et la trielle fait 6h32. C'est le moment pour l'observer. On pause. Professionnel avisé, vous prévoyez occuper des positions à grande responsabilité? Alors participez à la formation universitaire incontournable, le MBA, Master of Business Administration, ou maîtrise en administration des affaires, offerte par l'Université Notre-Dame d'Haïti. Les postulants devront déjà disposer d'un diplôme de premier cycle et avoir une expérience de travail d'environ 5 années, sauf les jeunes lauréats candidats à la bourse d'excellence. Les demandes d'admission sont reçues jusqu'au 21 mai 2018 à Port-au-Prince pour l'aire métropolitaine et au Gonaïves pour le Grand Nord. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet www.mba-undh.edu.ht ou appelez le 48 84 88 88. MBA UNDH, la route vers l'excellence managériale. Formidable! Nouvelle natif natale sur Radio Guinée chaque matin 6h après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6h, yo expérience natif natale. 6h34, information va continuer à travers journal natif natal. Le Conseil national coopérative CNC organisé mardi 29 mai 2018 là, dans le centre convention BRH. Il y a un colloque national sous thème « Les défis et les enjeux du secteur coopératif en Haïti ». L'activité s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, tant que ministre de planification et de coopération externe, le maître Aviol Fleurant, député commune Côte de Fer, Rudy Deville, avec plusieurs représentants coopérative qui sortit dans 10 départements paysans. Directeur général CNC Serge Chéri, dans l'intervention le fait qu'on est, colloque national ça permet à tout acteur dans le secteur coopératif l'an produit une nouvelle réflexion sur le mouvement coopératif l'an dans le pays. Les défis et les enjeux dont on parle ici ne sont nullement des mots tombés de quelques cieux, choisis pour se mettre à la mode, pour s'allier au gré du jargon légitimé, voire imposé par les professionnels en sciences sociales. Ils sont des constats, des évidences
sociopolitiques, façonnés dans la réalité économique quotidienne des sociétaires, formant l'ossature de ce vaste mouvement socio-économique qui fait de cette nation le roseau semblable à celui décrit par La Fontaine dans sa fable connue de tous. Mais si le vent continue à tout balayer, à force d'augmenter sa puissance, s'il devient ouragan, à l'instar de Matthew, s'amplifie sans cesse, se déchaîne à l'instar d'un impitoyable monstre, le roseau se pliant de manière récurrente, peut perdre son équilibre et finit par céder à la brutalité du moment. La force qu'on lui attribue pour contribuer, pour continuer d'exister si l'environnement lui est propice. Ainsi, et désormais, les secteurs majoritaires de la nation qui croient toujours à la solidarité, au mutualisme, doivent apprendre à s'appuyer sur le CNC qui, de son côté, grâce à vous, mesdames, messieurs, grâce à votre statut d'avant-gardiste, de leader, arrivera par vos propositions à faire face aux urgences de l'heure, en apportant un minimum d'encadrement qui puisse entraîner les braves sociétaires, détenteurs jusqu'ici des clés mystérieuses de la survie de la nation vers une certaine stabilité sociale, facteur inhérent à la vitesse de croisière du secteur coopératif et au développement du pays. Ce souffle nouveau dont a besoin et que cherchent les coopératives, c'est avec les sociétaires éparpillés à travers le pays qu'il faut les définir, et non ici pour le leur imposer par la suite. Oudap Koute, directeur général Conseil national coopératif, yon cadre yon séance de travail qui t'a faite sous défi ak enjeu secteur coopératif là en Haïti. Représentant BAH là, Camille Eugène, dit gen tout disposition qui prend pour redresser situation caisse populaire yo qui joue un rôle important dans l'économie solidaire là en Haïti. Les coopératives d'épargne de crédit constituent un défi pour tout un chacun, parce que à travers la coopérative d'épargne de crédit, nous voyons le développement du pays. Disons, en tant qu'agent de développement, chaque personne, chaque responsable devrait avoir en tête d'aider au bon fonctionnement du secteur coopératif. Nous avons un fort pourcentage de la population qui vit dans les villes de province. Et à travers les inspections que réalise la Banque de la République d'Haïti dans les caisses populaires des 10 départements du pays, nous avons constaté que la proximité est grande. L'article 10 de la loi du 26 juin 2002 incombe à la BRH la responsabilité de superviser les caisses, de porter un coup d'œil sur la bonne marche des institutions, mais aussi du secteur en général. C'est ainsi que, dans son souci majeur de protéger l'épargne des sociétaires, la BRH intervient tous les jours dans la caisse populaire, que ce soit au nord, dans le Grand Sud, à l'ouest, un peu partout. Et dans son souci majeur aussi, elle se fait représenter par des inspecteurs dans les assemblées générales qu'organisent les caisses populaires. Ainsi, à travers cette présence, la BRH avait jugé bon de procéder à l'admission des coopératives de paille et de crédit à la chambre de compensation. Elle a pu créer le bureau d'information sur les crédits. Une direction d'inclusion financière à la BRH a ouvert ses portes. La BRH insiste encore sur la nécessité que doivent avoir les caisses populaires, celles qui ne sont pas encore autorisées à fonctionner, à le faire au plus vite. Parce que,
bientôt, la BRH pourra prendre des mesures pour éviter que des caisses illégales fonctionnent à travers le pays. De concert avec le CNC, avec la Fédération des caisses populaires ANACAF et haïtienne, avec l'Association nationale des caisses populaires haïtiennes ANACAF, la BRH continue à donner la main, à aider, à intervenir autant que cela est possible au niveau du secteur pour contribuer à son développement et à sa réussite. Le conseil d'administration de la Banque centrale croit au fur et à mesure que c'est un défi à relever pour que les bénéficiaires puissent en bénéficier réellement. C'était Madame, Monsieur, représentant BRH la Camille Eugène. Soubopal, ministre planification à coopération externe, l'embête Raviol Fleurant, dans l'allocution le promette, gouvernement haïtien a travaillé pour accompagner le mouvement coopératif dans le pays. Maître Raviol Fleurant dit, il prend le travail pour mettre plus l'argent dans le budget 2018-2019 là, pour accompagner CNC dans le travail pour renforcer le secteur coopératif. Là. Il est bon de rappeler que dans la plupart des pays à forte tradition de groupements de type coopératif comme la France, l'Italie, le Canada, ceux-ci détiennent une part appréciable dans l'économie nationale et des lois la part la plus et des fois la part la plus prépondérante dans l'économie régionale à l'échelle nationale. Quelquefois, les coopératives de développement régional sont la référence en la matière de création, de développement et de représentation d'entreprises coopératives. Avec une prépondérance significative de coopératives, celles-ci contribuent à la prospérité. Certaines régions, jadis pauvres de ces pays qui n'avaient que deux ou trois ressources à exploiter, ne connaissent pas aujourd'hui la crise économique par la multiplication de divers types de coopératives correspondant à des objectifs de cohésion et de durabilité sociale et environnementale et génératrice d'emplois et de revenus. Monsieur le président du groupe Croissance, les coopératives ne sont pas présentes et prospèrent uniquement dans le secteur économique, mais aussi bien dans les secteurs sociaux et de services. Les responsables assurent que la gestion de services aux personnes était de meilleure qualité quand il était exécuté par des coopératives formées de personnes compétentes et motivées qui n'ont pas les profits pour but. Ainsi, il y a des cas où 60% des services sociaux sont assurés par des coopératives. Ce qui est surtout significatif, c'est la forte concentration dans l'espace et l'effectif des entreprises coopératives par rapport aux entreprises classiques. Les premières, dont la finalité avant tout n'est pas le profit, poursuivent une logique différente des dernières, avec comme premier souci la création d'emplois et d'offres de travail aux membres. Par exemple, en Italie, le secret de la force des coopératives réside aussi en partie dans leurs réserves financières cumulées, dégagées de leurs bénéfices, tenant compte des dispositions légales. Monsieur le directeur général, j'ai pris acte de vos préoccupations par rapport notamment au tiers du montant que doit déposer le coopérant pour avoir accès au fonds. Nous en prenons acte et estimons qu'une réforme en la matière est nécessaire. De ce fait, autre aspect intéressant, les modèles contribuent à réduire considérablement les disparités de salaire et conséquemment les inégalités sociales. Les sociétés coopératives dont les membres travaillent à des objectifs communs ont pris tellement d'ampleur ces dernières années qu'elles contribuent à plus de 10% du produit intérieur brut dans certains pays. En quête d'alternatives économiques, des exemples sont étudiés avec attention par de nombreux responsables politiques pour une adaptation
nous avons un intérêt à nous inspirer. Monsieur le directeur général, j'ai pris acte de ce que vous avez dit et le ministère de la Planification et de la Coopération externe promet de vous accompagner. Et dans le cadre de ce forum, je me permets de vous dire que je vais inscrire dans le budget 2018-2019 un fonds de garantie. Je vais commencer par un fonds de 20 millions de gourdes comme garantie. Ce fonds sera déposé soit à la Banque nationale de crédit ou à la Banque populaire haïtienne comme garantie pour permettre à certaines coopératives d'avoir accès à ces fonds, notamment des coopératives agricoles qui s'alignent sur la vision du président de la République en la matière. Vous avez écouté le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Maître Aviol Fleurant, qui, dans le cadre du colloque national coopératif, a organisé à promettre libre le travail pour accompagner le mouvement coopératif dans le pays. À titre de rappel, n'a pas fait songer que il y a possibilité pour la pluie faible tomber sous quelques départements non payants à Souéa. Donc, c'est entre autres départements en l'ouest, sud-est, avec départements en l'Artibonite, centre, Grand-Anse, nord-ouest, avec NIP. Et température maximale, la peut varier entre 30 à 35 degrés Celsius. Minimale, la peut entre 20 et 24 degrés. Et toujours est-il, Capitaine Cap fait Tian Bakasio, invité pour nous faire en pile prudence. Dans un moment, on a traversé l'Omel, fait 6h à 47 minutes. Moment pour nous observer l'autre pause. Commandant de bord, vous prie de bien vouloir attacher vos ceintures avant le décollage pour le lancement officiel de la 24e édition de Livre en Folie. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! En route pour deux jours de folie, les jeudis 31 mai et vendredi 1er juin, dans les jardins du Mupana, pour notre rendez-vous littéraire de l'année. Venez en famille ou entre amis faire le plein de livres dans une ambiance conviviale et jouissez du privilège de vous faire dédicacer vos ouvrages par vos auteurs préférés. Livre en folie, c'est définitivement l'événement culturel incontournable qui fait la promotion du livre haïtien. Mais c'est aussi l'occasion pour vous de bénéficier d'un rabais exceptionnel de 44% et de 10% additionnel en utilisant votre Unicard. L'entrée fixée à 400 gourdes durant les deux jours vous donne droit à de nombreux avantages et peut être payé avec votre carte de débit Unibank toutes côtés. Livre en folie, les jeudis 31 mai et vendredi 1er juin dans les jardins du Mupana, une initiative de la Unibank et du journal Le Nouvelliste. Unibank au service de la culture nationale. Tina, ou soit activité, ou paré pour faire la soirée, promen oui, en pile mon appel oui, pour pas tout en pas évoquer. Pas inquiète, Bicha, c'est diri bon goût ma cuite pour oui. Gardez, nous pas besoin pile de bon cuite. Diri bon goût papa, il pas collé dans chaudière. Ah, il pas fait gratin avant l'heure. Coutez pour, Bicha. Gardez, diri bon goût légère, il bon goût vrai. Et puis, quel chaud, quel fret, diri bon goût pas jambe vin red. Ah, mais c'est vrai, c'est diri bon goût yo dit qui gen vitamine B1, B3, acide folique avec fer pour ti moun yo bien grandir, ça qui gen 9 marmites là. Moi même comme cuisinière, les mal le marché, moi toujours veiller que diri pas mélanger parce que c'est diri bon goût m'vin acheter. Yo rekene. Et Metina, à qui ça soit fait? Allez nous Bichard, on te les manger à séparer. Goûtez-moi d'abord. Et mélanger plat mais on non. Savon crème lotion Clarisse, c'est magique. Yo fait toute ta soupe au moins disparaître. Ou bien nettoyer peau, servir à savon. Ou faire peau briller, servir à lotion. Ou protéger peau, pour servir à crème. Servir à belle deux fois par jour, bonjour résultat. Ou qu'à prendre confiance, pour servir à produit. Non, ça fait produit beauté. Clarisse, le choix est clair.
Les produits Clarisse sont enfin disponibles en Haïti. Dans Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là. Dans Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là. 6h50 minutes, information a continué dans le journal natif Natal Long, Société haïtienne pour aider aveugles, Yosha, dans le cadre d'une conférence pour la presse, mardi 29 mai 2018, là, dans le local Lidelma 31, annoncé diverses activités qu'a réalisées dans le cadre de célébration journée caraïbéenne aveugle, yon, en date 31 mai, qu'a vini là sous thème vers l'inclusion scolaire des enfants et des jeunes en situation de handicap visuel. Reportage Kimberly Wanyang. Conférence débat, vente signature, c'est quelques parmi activités qu'a réalisé dans le cadre de la célébration Journée caraïbéenne aveugle, dans date 31 mai qu'a vini là, d'après coordonnateur Société haïtienne pour aider aveugle, Michel Payan, qui t'a lancé un appel pour sensibiliser tout le monde qui vit dans la région Caraïbes là sous conditions vie jeune aveugle. Monsieur Michel Payan plus loin dit, ça prend toute disposition pour produire matériel pour jeunes handicapés dans le pays pour faciliter l'apprentissage. À la charge, nous sommes conscients d'une chose, l'inclusion scolaire est un élément clé de l'inclusion sociale. Et c'est ça qui fait, au cours de ces 25 dernières années, nous investis en pile dans l'éducation, dans l'encadrement pédagogique, si nous devons vivre avec une déficience visuelle. Tout travail ça que j'ai fait cet an dernier, au cours de ces 25-30 dernières années, avec le sport de la USAID, nous réalisons des choses réellement intéressantes. Nous arrivons à consolider le studio d'enregistrement Charles. Nous arrivons à mettre sous pied, dans le cadre du projet rapide, une unité de production de documents adaptés, documents braille, en audio et en relief. Chargé d'affaires ambassade États-Unis en Robin Diallo Soubopal fait connait l'état haïtien gen recommandation pour bailler un accès équitable à moun handicapé yo pendant li di États-Unis ap travail pour promouvoir yon éducation inclusive nan pays a. Madame Robin Diallo réitéré engagement États-Unis pour continuer accompagner tout ti moun nan pays a au niveau éducation. Ensemble, la Charte et le gouvernement des États-Unis ont travaillé pour intégrer les enfants aveugles dans les écoles ordinaires. Nous avons également travaillé à la construction de la bibliothèque communautaire de la CHA en créant plus de matériel de lecture adapté à braille, à livres audio et à images de relief afin que les enfants et les jeunes aveugles et malvoyants puissent profiter d'un choix très varié de littérature. Réitérer l'engagement du gouvernement des États-Unis à soutenir l'accès à l'éducation pour tous les enfants d'Haïti. Secrétaire d'État pour l'intégration moun handicapé yo, Gérald Oriol Junior, salue effort tout partenaire qui travaille pour l'intégration moun handicapé yo dans le pays. Monsieur Gérald Oriol Junior renouvelé engagement pour continuer travail dans tête collée AKCHA sous inclusion sociale dans l'idée pour aboutir à la lutte qui mené pour inclure moun handicapé yo dans la société. Gérald Oriol Junior, plus loin, souhaite loi sous inclusion votée dans le Parlement haïtien pour faciliter moun handicapé. Loi 13 mars 2012 sur intégration moun handicapé a créé un fonds de solidarité pour l'intégration moun handicapé. Mais malheureusement, loi n'a pas établi et fonctionnement fond donc l'idée important que le fonds suivi pour assurer que par exemple source d'alimentation bien établi, j'en fonds organisé par exemple conseil d'administration bien clair. Donc, suite avec ça que certains juristes ont décidé d'élaborer Texa il y a de cela quelques années. Et bien, journée aujourd'hui, Texa au niveau du Parlement. Vers l'inclusion scolaire des enfants et des jeunes en situation de handicap visuel, c'est sous thème ça, Société haïtienne pour aider aveugle à commémorer journée caraïbéenne aveugle. Kimberley Wanyak, Radio Guinée d'Haïti. Merci, Kimberly Wanyang.
Responsable yo nan Haiti Air Ambulance rencontré journée mardi 29 mai 2018 là dans local HAA son appui diverses institutions nationales et internationales pour présenter yo service Haiti Air Ambulance offre société haïtienne là dans discours pour circonstance là directrice exécutive Haiti Air Ambulance là Nada Marjano Vich dia pa travail pour continuer sauver malade qui dans situation difficile. Reportage Gary Malia. 70 l'hôpital, 200 zones atterrissage, c'est moyen Haiti Air Ambulance disposé pour offrir patients yo pi bon service. Dans sens ça, responsable yo nan Haiti Air Ambulance a rencontré diverses institutions nationales et internationales tant que Gardecôte, Simo, police administrative, Boyd, Croix-Rouge, Ofnac pour présenter yo service HAA capable offrir yo. Rencontre ça inscrit dans cadre réunion mensuelle Haiti Air Ambulance sous différentes activités y a entreprendre pour faciliter patients rejoindre soins santé dans cas d'urgence d'après directrice exécutive Haiti Air Ambulance là Nada Majanovic qui renouvelé engagement Haiti Air Ambulance pour continuer sauver la vie malade qui dans situation difficile. Haiti Air Ambulance n'est peut-être pas le seul d'avoir des avions en Haïti, mais nous sommes les seuls hélicoptères configurés médicalement dans le pays. Nos hélicoptères sont comme des salles d'urgence volants. L'équipement à bord comprend l'oxygène, les machines de respiration artificielle, des moniteurs cardiaques et tout ce que vous pouvez trouver dans les hôpitaux les plus avancés. Cela inclut notre équipe médicale ainsi que des cliniciens haïtiens et américains ayant une vaste expérience et amélioré continuellement. Responsable communication Haiti Air Ambulance là Roger Noël qui tape mettait accent sur différentes étapes équipe communication à suivre pour faciliter hélicoptère Haiti Air Ambulance yo voler et puis porter secours à yon patient fait qu'on ait gain yon bonne collaboration entre Haiti Air Ambulance ak ambulance terrestre ministère santé publique Ofnac sous transport malade yo. Ici à HAA, nous sommes prêts à fournir tout notre soutien. Quotidiennement, nous effectuons des transports de patients en fonction des besoins médicaux, souvent en travaillant avec des ambulances terrestres comme Herald, la Croix-Rouge, les Cannes et j'en passe. Soyez rassurés que nos pilotes, nos équipes médicales et notre centre de communication respectent les normes les plus strictes exigées par l'OFNAC, le MSPP et la FAA américaine pour fournir des services d'aviation médicaux et de sécurité de niveau mondial. Yon nan même équipage hélicoptère Haiti Air Ambulance yo Claudel Gédéon mandé pour parents malade yo bay bonne précision sous zone malade la trouvé là pour faciliter pilote yo joindre plus information sous zone yo pral atterri. Avant même nous atterri, nous toujours battre pour nous rassurer est-ce que c'est un côté qui fiable. OK? Tout d'abord, il supposé mesurer 30 mètres par 30 mètres. OK? Pour pipiti, si toutefois c'est un terrain de football, il y a pas mieux. Si toutefois les plus vaste qu'un terrain de football, encore mieux toujours. OK? Et puis, à terre, il est supposé plate. Si toutefois il y a une gravée là-dedans, pas de problème. Si toutefois il y a une zèbre, pas de problème. OK? Et puis, nous sommes capables de dire, espace là-bas, il y a un fatra sous lit. Si toutefois il y a un fatra sous lit, avant que nous atterrions, maintenant, si vous relez nous pour nous. Vin chercher un patient pour ou t'as supposé rassurer au cœur clair, c'est-à-dire pas de fatra qui soupère rien du tout. N'a pas souligné pour hélicoptère Haiti et ambulance yo volé, faut que la vie patient en danger, en plus faut que gagnons l'hôpital référence qui mettait pilote yo en confiance sous réception malade là. Gary Madère, Radio Guinée d'Haïti. Merci Gary Madère. Coordonnateur aéroport international Cap-Haïtien Pierre Edouane, nous étions délégation fait une visite guidée dans l'aéroport international Cap-Haïtien pour garder ta avancement, travail, réhabilitation qu'a fait dans l'espace. Reportage Samuel Dalmont. Après présence plusieurs lignes aériennes qui ont assuré trajet Port-Prince-Bahamas, Port-Prince-Turks-and-Caïcos et Port-au-Prince-Miami grâce à American Airlines, Spirit Airlines, qui fait que ce fait vol inaugural 12 avril 2018 là sous aéroport international Cap-Haïtien, administration autorité aéroportuaire nationale qui gagne en tête li colonel Irvin Mayu, a déjà pris décision pour construire une nouvelle salle arrivée pour accueillir plusieurs passagers haïtiens et étrangers dans le département nord pays. Dans ce sens, coordonnateur AICH, Pierre Edouane, dans tête de délégation, fait une visite guidée
dans AICH samedi 26 mai 2018 là dans l'idée pour voyez yeux garder état avancement travail construction nouveau salle arrivé à Yopoa qui dans phase terminale. Coordonnateur Pierre Edouane dans micro radio télé Guinée fait connait travail ça yo avancé à grand pas. Travail on s'est déjà fait déjà nous fini avec partie qui concerne immigration, partie concerne la douane, partie concerne Conatel, partie qui concerne ministère de l'agriculture. Tout le monde déjà trouvé ça au besoin déjà, c'est presque c'est finalisé que n'a finalisé là, et peut-être les 15% restants c'est dans 15 jours comme ça n'a supposé capable mettre ça là à disposition et passager nous. Normalement il divisé à peu près en 16 compartiments, mais c'est pas encore terminé. L'homme dit c'est pas encore terminé, c'est parce que toujours il y a des modifications qui capable porter jusqu'au dernier jour. Donc nous pas tenu compte vraiment de ça, mais nous a pas avancé et me pense que ça pour le façade et mon yo passager a senti très à l'aise et a content tout de travail qu'il fait. Selon coordonnateur AICH là, administration autorité aéroportuaire nationale comprend nécessité pour permettre aéroport international Cap Haïtien fonctionner dans un standard international. Nous te considérer que salle que nous t'a utilisé là, des contingent trop petit par rapport à quantité passager que n'a recevoir yo. Maintenant nous devons avec projet pour nous faire une salle qui est beaucoup plus grande. Donc c'est ça que normalement de nous parler là avec DG avec DG MEU, il pas aucun problème ensemble avec lui. L'idée fait président de la République là par de ça tout qui pas aucun problème ensemble avec qui vient qui visiter ensemble avec nous et puis qui dit nous allez. Et puis donc c'est ça qui a bail résultat que n'a trouvé la connière. Ingénieur Elaine Basco Walke, c'est directeur projet constructeur universel SA qui engagé pour construire nouveau salle arrivée aéroport international Cap Haïtien. Ça arrivé initialement c'est dans 50 mètres carrés, qu'on y a 90 mètres carrés. Et normalement, travaille 170, 105 travailleurs pour journée, pour travail en toute spécialité et finalité de la construction de salle d'arrivée. Normalement, tan, approchent projet de climatisation. Deux semaines, trois semaines pour finalité de travail. À côté construction nouveau salle arrivée à ICH qui permet yon pi gran capacité accueil dans zone nord pays a, autorité nan AN yo ap travail parallèlement pour aménager piste atterrissage à ICH là qui subit quelques dégradations. Le travail qu'a fait sur piste là actuellement là c'est certaines sections que nous gagnons qui étaient endommagées que n'a réparé. Donc nous gagnons 913 mètres carrés pour nous réparer. N'a réparé 62 mètres carrés et jusqu'à date là nous a 211 mètres carrés, soit 23% de total que nous gagnons pour nous réparer. Entreprise qu'a exécuté à ces remix sont sociaux et puis supervision a fait par AAN direction planification et ingénierie. Travail ça yo et normalement travail yo suivant chronogramme on était supposé finir le 31 mais nous gagnons un petit retard par rapport à chronogramme, nous gagnons 2 jours pas de travail. Ensemble travail ça yo qu'a fait dans aéroport international Cap Haïtien montrer volonté autorité AN yo gagner pour changer visage aéroport nou yo qui gagne exigence nouvelle loi organisation aviation civile internationale. Samuel Dalman, Réseau Natif Natala, Guinée. Merci Samuel Dalmont. Troisième sortie, Nouvelle Natif Natal, arrivé dans Boutli, rappel titio. Nouvelle Natif Natal sur Radio Guinée chaque matin 6 heures après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6 heures, yo expérience Natif Natal. Quelques parmi points nous t'ai développé à travers journal Natif Natal là pour matin mercredi 30 mai 2018 là responsable non DGI lancé mardi 29 mai à un séminaire technique sous transparence à échange renseignement fiscal cap durée 2 jours dans hôtel Caribbean Convention Center Pétionville. Un séminaire qui inscrit dans cadre démarche forum mondial OCDE pour faciliter pays membres joindre bons outils pour travail. Conseil national coopérative organisé mardi 29 mai à notre centre convention BRH là, un colloque national sous thème les défis et les enjeux du secteur coopératif haïtien. Direction protection civile en tête Coliac Paul Communication organisé mardi 29 mai à une conférence débat dans centre opération urgence nationale d'Elma 2 sous accessibilité linguistique, bulletin médiatique à consigne météorologique. Responsable Yonan Haïti Air Ambulance rencontré mardi 29 mai 2018 là, plusieurs institutions nationales et internationales pour présenter différents services institutions. C'est sur notre ça, nous mettons en bout dans le journal Natif Natal. L'an rete branché dans quelques minutes. Va prévision astrologique yo plus information sportive yo à travers matinée Natif Natal Radio Guinée.
C'est droit vous connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas la pour le qui sans monde vle dit ni yo dit ni changer sans monde dit. Nous faut entendre monde qui fait actualité à même à voix parle. Dans Radio Guinée, journaliste nous yo pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est ou pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous ça qui passé. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. Ou mettre quoi nous dans affaire information. Dedene, ou kono bay, mte ak Digicel, mpa avec yo anko. Mano, mat si ou fe. Pou ki sa ou kite yo la? Offre spécial yo pa fin bon pou mwen même. Oh oh, offre pa de bon pou ou? Eh bien, ekoulye ya. Bon kounya, ma avec Digicel. Parce que kounya, offre yo se de bagay tête chargé. Yo gen wè spécial illimité, bagay rage net. Wap jwen apel DigiDigi ak 8GB internet pou fè sa ou pipito ak yon lot 8GB internet an plis pou sevi a pati 11h nan aswe, rive 6h nan matin pou 30 jou pou 1500 goud selman. Aktive li ak aplikasyon MyDigicel la, oswa fè etwal 509 10 jodi ya. Ak Digicel, se ilimite net ale! TDH gen deux catégories moun kap utilize courant li bay la. Yon ki paye bordrol chaque mois et ki pa kite dèt monte sou li. On lot kap profite joui courant sans paye TDH yon pias. Nan ki catégorie ou vleye? Men conséquence pa paye courant jwenn nan. TDH pa ka fè kòb li kont pou l'achete gaz pou santral yo mache et pi paye producteur privé yo. L'État bije dépense chaque année pou TDH plus passe 150 millions dollars vet ki représente 10 milliards goud. Industriel yo pa vle branche sou rezo a parce que détournement ligno la cause courant ap monte desann. TDH pa ka fè investissement sou rezo a parce que ou pa jam respecte date limite pou paye. Lò pa vle paye courant ou maintenant, conséquence la pi mal, non seulement pour vous, mais pour l'autre citoyen. Yo. Parce que l'agence ça a qu'on fait l'État bige dépenser pour EDH là, empêcher l'État créer plus de travail, construire plus l'école, l'hôpital, route, pont et la trier. Citoyen, ou remè pays ou ta remè pays ou vansé, pour plus stimuler l'école, pour paysan produit plus manger, pour tout le monde joindre la soignaille, pour service pompier plus efficace, pour joindre plus service, choisis bon catégorie. Payez EDH pour courant joindre. Respectez date limite pour payer. Comme ça, vous va contribuer dans l'avancement pays ou dans aider mettre pays ou sur route progrès. EDH, la caillou. Auditeur Radio Guinée qui aux États-Unis, ou ka koute radio a gratis ti chéri, n'importe qui laisse sous téléphone ou lè ou relé nan numéro 401-283-68-13. 401-283-68-13. Enregistré numéro ça. 401-283-68-13. Radio Guinée à vos tout côté. Mami, ou pas sorti matin, li presque 7 heures, oui. Tant de mon petit, m'pa mettre tête moi. Faut me connait qui j'ai journée m'bral passer et puis faut me prendre horoscope moi tout. Faut me connait qui moun bral rencontrer et puis gon bagay de yo qui les millions. Faut me connait qui boule chance moi. Ah, et bien mami, ou font rêve hier soir? M'pa faire aucun rêve. Chaque matin 7 heures à horoscope Guinée, m'toujours prendre boule chance moi. Pas gen moun k'ap fè m'quitter la caille moi avant 7 heures. Oh. Met kay me konya na force me sorti kay te cause ça. Zanmi astralyo, nou kontan tankou chak jou pou nou pote pou previzyon astrologik yo nou konen ki yo remè an pil e ki fè ou du bien. Maten ankor pou pote li pou se Kembele Wanyak ak mou mèm Fedia Sama. Bonjour Kembele. Bonjour Fedia, bonjour tout moun.
N'a démarré comme d'habitude avec natif Bélier qui c'est monde qui fête sorti 21 mars pour arriver 20 avril. Bélier jodi un pi bon bagaille pour vous, c'est discrétion. Si vous connaissez un bagaille, gardez-le pour vous-même et si connaissance ou dépasser l'autre monde, pas fait étalage de ça, restez très discret. Nouvelle Astralio, ou gen pile grande avec une nouvelle idée et influence cosmique extrêmement positive pour vous. Donc, vous besoin profiter ça pour capable réaliser projet. Numéro chanceau 77, couleur pour journée en sévère, puis bon moment pour 8 heures dans la soin. Moun chanceau, yon natif cancer. Taureau, c'est moun qui fête 21 avril pour arriver 21 mai. Taureau, épreuve wap passé dans moment ça a duré en pile temps. Mais malgré tout, ou gen pile courage. Si seulement ou rete positif, ap gen évolution nan situation ou ye a. Nouvel Astralio pou ou, si toutefois ou ta gen de nouvelles idées, essaye écrit la yon façon pour ça pas passer dans tête ou pour ka parler de li très prochainement. Numéro c'est 18, couleur c'est blanc, puis bon moment pour c'est 9h nan matin ou ap gen bonne entente ak yon natif Bélier. N'a continue avec natif Gémeaux. Gémeaux c'est monde qui fête sauti 22 mai pour arriver 21 juin. Gémeaux, pour capable sûr que vous besoin vivre une expérience sentimentale avec succès, l'étape importante pour faire un petit lâcher prise dans à condition que vous posez et bien sûr, assurez que vous choisissez la bonne personne. Nouvelle Australie, si vous sentez signe indiscrétion ou pensez que ennemi n'y a pas tout, donc une chance pour passer une bonne dose de paranoïa. Non vive. Numéro chanceau c'est 44, couleur c'est jaune, puis bon moment pour 8 heures dans matin mon chanceau yon natif Taureau. On continue avec natif Cancer. Cancer, c'est mon qui fête 22 juin pour arriver 23 juillet. Cancer, tant que vous gardez calme avec zami ou famille, c'est qu'on ça tout flamme intérieure là pas ka exprimer. Nouvelle Australie pour jeudi, attention, pral attiré par des affaires légales et financières et grâce à effort ou yo, ou bien pour résoudre un problème très bientôt. Numéro c'est 81, couleur c'est bleu, puis bon moment pour c'est 7h dans la soirée, ou bien bonne entente avec un natif Lion. Et Lyon, où c'est monde qui fête sorti 24 juillet pour arriver 23 août. Lyon, après un moment difficile, gagne une période de heureuse vie qui pral arriver sous concernant problème famille. Arrangez-vous pour que bonne ambiance règne plus longtemps possible. Nouvelle Astral, une décision importante demande attention jodi an et ça ta doué fait jodi an même. Si vous êtes en bon état d'esprit et vous pensez que l'autre monde a pensé avec vous, donc faites bon choix qui est convenable. Numéro chance ou 10, couleur pour journée en gris, puis bon moment pour vous, midi, mon chance ou yon natif Verseau. Vierge, c'est mon qui fête 24 août pour arriver 23 septembre. Vierge, jeudi a c'est vraie occasion pour faire une nouvelle rencontre avec un monde qui a attiré en pile. Donc, montrez-le que vous souple et que vous gagnez l'esprit ouvert. Nouvelle Australie pour vous, ou a bien du mal pour concentrer sur le travail aujourd'hui hein, parce que pensez à diriger sous problème personnel ou yo. Numéro c'est 85, couleur c'est rose, puis bon moment pour c'est midi ou a bien bonne entente avec un natif Scorpion. Et si vous faites, sorti 24 septembre pour arriver 23 octobre, natif ou c'est balance. Balance ou pas chambre camper ou toujours en mouvement, donc trop activité capable d'empêcher ou détendre et vivre bon moment présent. Pas oublier que parfois vous avez besoin de distraction tout. Nouvelle Australie, si collègues sont indisponibles ou bien yo pas disposé aider, pas occupé yo, yo gen problème pa yo qui empêche yo gen bonne réaction. Numéro chanceau c'est 55, couleur c'est rouge, puis bon moment pour midi. Mon chanceau yon natif Scorpion. Si vous faites 24 octobre pour arriver 22 novembre, natif ou c'est Scorpion. Scorpion, pas penser ou tape toujours dans une forme éblouissante. Mais heureusement, zami ou yo toujours là pour réconforter ou et grâce avec yo ou toujours retrouver moral ou. Nouvelle Australie pour tâche répétitive yo la cause morale ou baisser sans ça ou doit gagner non sans ça ou doit gagner sens plus créatif chercher prendre responsabilité ou en charge parce que ou a besoin plus satisfaction. Numéro c'est 13, couleur c'est rouge foncé, puis bon moment pour c'est 4h dans après-midi ou a bien bonne entente avec un natif Capricorne.
N'ap continue avec Sagittaire. Sagittaire, au fait, sorti 23 novembre pour arriver 21 décembre. Sagittaire, pour aujourd'hui, yon désaccord capable produit dans cadre social. Le pral découvrir que gen concurrent et au pral besoin faire preuve de tact pour capable éviter gen réaction négative. Nouvelle Astralio pour capable avancer au pral rend nous compte que ou envisager quelques changements et faut qu'ou bien réfléchir pour qu'on ait qui nouvelle direction ou apprend. Pas hésiter contacter moun qui plus expérience pas passer au non sans ça. Numéro chanceux 19 couleur bleu puis bon moment pour 10h non matin moun chanceux c'est un natif Capricorne. Capricorne, c'est moun ki fête 22 décembre pour arriver 20 janvier. Capricorne, si vous sentez ou fatigué ou bien ou sans énergie, pas peur parler à tête ou yon façon pour l'esprit ou capable joindre tranquillité. Nouvelle Astralio pour ou ap vin rann nou compte que toute mauvaise situation qui préoccupe l'esprit ou yon capable arranger facilement. Numéro c'est 99, couleur c'est noir. Puis bon moment pour ou c'est 10h nan matin ou ap gen bonne entente avec yon natif Gémeaux. Et si vous faites sortir 21 janvier pour arriver 19 février, natif ou c'est Verseau. Verseau, en pile monde pour l'inviter pour sortir dans des soirées, alors que ou même ou pas fin remet ça et ou pas voulez participer non plus. Nouvelle Australio, ou gain intérêt pour être plus honnête, pour pas gaspiller temps avec des bagages qui pas utiles ou en rien. Numéro chance sous 13, couleur pour journée gris, puis bon moment pour vous. Une heure non après-midi, mon chansou, yon natif vierge. Poisson, c'est mon qui fête 20 février pour arriver 20 mars. Poisson, je dis à vous capable de faire de grands progrès en dépit de grands obstacles qui barrent chemin. Pas de résultat immédiatement, mais essayez de prendre bagaille yon après l'autre. Et nouvelle Australie pour comportement positif ou yo ap suivi vous pendant toute semaine là et dans fin semaine là succès ou yo ak exploit ou yo ap encouragé ou toujours faire plus effort pour avancer. Numéro c'est 58, couleur c'est blanc, puis bon moment pour c'est 11h dans matin ou ap gen bonne entente ak yon natif Verseau. La pensée de Maître Mram Mikaela Ivanov qui nous parle ce matin de l'image de Dieu. L'image de Dieu, la seule qui s'impose aux esprits de la nature. Il est dit dans la Genèse que Dieu a créé l'homme à son image. Mais combien parmi les humains sont conscients d'être porteurs de l'image de Dieu? La plupart ont laissé s'accumuler tellement de couches d'impureté sur cette image que les traits en sont brouillés, effacés, et c'est pourquoi ils sont si faibles et démunis. Travaillez donc à faire réapparaître cette image et même les esprits de la nature se mettront à votre service. Quand vous aurez une demande à leur adresser pour qu'ils vous aident dans votre travail ou viennent à votre secours, ils seront heureux de vous exaucer parce qu'ils reconnaîtront en vous cette image, la seule qu'ils respectent. Les esprits de la nature sont les esprits des quatre éléments. Des livres de magie enseignent comment l'homme peut les mettre à son service. Mais attention, ils n'obéissent pas à n'importe qui ni à n'importe quelle condition. L'unique puissance qu'ils respectent, c'est la lumière que projettent les fils et les filles de Dieu lorsqu'à force de travail, ils sont parvenus à faire apparaître en eux-mêmes la véritable image de leur créateur. C'était la pensée de Maître Mram Mikaela Ivanov. Jeudi, c'est 30 mai, c'est Journée mondiale de la sclérose en plaques. C'est tout Journée mondiale pour le droit aux origines. Qui prénom qu'a fêté jeudi, c'est Ivan, Ferdinand, Johanna, Lorraine avec Jenny. Jeudi, c'est fête nationale en Guyane. C'est tout jour de la République Croatie-Yougoslavie. Nous n'en 150e jour année, retenons 215 jours, nous n'en 22e semaine. N'ap kite ou avec conseil ça que Maître Mram pote pour nous aujourd'hui. Nous toutes
nous créer à l'image de Dieu selon ça qui dit dans la Genèse. Mais gen en pile nan nous qui pas conscient de image de Dieu ça que n'a porté nan nous et nous quitter en pile couche impureté vin couvrir image là. Donc nous besoin travail jusqu'à ce que nous débarrasser image ça de toute impureté possible pour nous capable marcher dans le vrai chemin. Donc n'a quitté toujours dans matinée natif natal lan avec Wesner Charles qui pral pote pour information sportive et nous souhaitons passer une bonne journée en compagnie Radio Guinée. Bonne journée Kembele. Bonjour Fedia et bonjour tout le monde. Pour une meilleure Mami, ou pas sorti matin, li presque c'était oui. Tande-moi non petit, m pa met tête moi. Faut me connait qui jan journée m pral passer et puis faut me prend horoscope moi tout. Faut me connait qui moun pral rencontrer et puis gon bagay de yo qui rele million. Faut me connait qui boule chance moi. Ah, eh bien, mamie, au fond, rêve hier soir. Je ne fais pas aucun rêve. Chaque matin, 7 heures, à Coscope Guinée, je prends toujours une boule chance. Moi. Pas que mon cap femme quitte la caille avant 7 heures. Oh, mettre la caille, je vais me forcer à me sortir. Quand tu es causé ça? Radio Télé Guinée, c'est One Centre. Tout jouet, toute équipe, toute catégorie veut jouer sous lui. Radio Télé Guinée respecte les règles là. Li pas attaquant, li pas kabay gol pour. Li pas demi, li pas kamene jouet pour. Li pas défenseur, li pas kabare attaque pour. Li pas gardien, li pas kabare gol pour. Li pas fanatique, pas mandel pour chauffer équipe ou ni rele chal barré pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe ou. C'est où pour choisir équipe ou. Radio Télé Guinée, c'est Pigo Stade là, Pigo Terrain, Pigo Tribune, côté quel que soit équipe là qui a joué, qui doit bailler goal, qui doit prendre goal, vin centré. Radio Télé Guinée, c'est One Centre là dans tout pays là. Respectez Radio Télé là. Amis sportifs, auditeurs Radio Guinée, yon gros bonjour pour nous tous, bienvenue dans la troisième sortie et page sport natif natal pour ce maintenant. Aujourd'hui c'est mercredi 30 mai 2018, nous comptons encore chaque jour pour que nous capables d'apporter pour vous information sportive yo en ce moment. Donc c'est toujours même équipe là, Fernand Bounet sous Baudelan et en absence de Ginadel Augustin. Et nous avons Alexis Jean Wesley qui accompagne nous. On prend le soin de nous dire bonjour Alexis, bienvenue. Et bonjour Wisner, bonjour Bounet, bonjour à toutes. Super, moi chez Guinée, c'est un plaisir de nous avoir avec vous. Dans le cadre de la troisième présentation émission Sport Natif Natal. Bon, actualité en ce qui concerne la sélection nationale là, qui a le point raclé. Il a raclé dans mes équipes argentines. Et par rapport à la première période là, et nous pas pensé que nous étions capables de tomber. Et jouer mal dans la deuxième période là et en coup c'est comme si d'ajo Alexis c'est deux matchs qui t'ai gagné une dans première période là et une dans deuxième période là. Bon, et pratiquement oui. Une équipe haïtienne nous a dit qui t'ai disputé en bonne première période et puisque nous t'ai réussi et encaissé seulement un grand goal et face à Argentine, c'était sûr. Il y a un coup de pied de réparation. C'est bon goal que monsieur a construit en action pour te bon goal là. Et c'est un coup de pied de réparation que Johnny était même à la ballon. Hein. Et il manquait faire échec à Léo Messi, malheureusement. Et frappe la tellement gain puissance que Johnny n'est pas capable de repousser. Mais à partir de première mi-temps, et malgré et nous avons subi une domination territoriale, bon côté que Valentine n'a pas utilisé et proprement terrain pas là. Et c'est seulement pas nous qui avons utilisé, on roule les cabayos qui n'ont jamais inquiété. Et on espérait mieux en seconde partie par rapport à 10 contre nous. Ben, équipe là de retour d'investir, équipe là craqué. Et vraiment, on a pris 3 autres goals. Vraiment, et nous avons dépassé par les événements en seconde mi-temps. Et pas très bien équipe haïtienne du tout. Et on comprend que c'est l'Argentine. C'est l'Argentine.
qui gagne Leo Messi, qui gagne Di Maria souterrain, Matirano, Lo Celso, pour ne pas citer mon ça seulement Nicolas Otamendi, mais attention, c'est football, ballon 1, Lyon 50-50, ça veut dire que tout le monde a accès à ballon 1 et si que les matchs n'a joué et match a joué, on comprend monsieur yo en termes de ressources humaines yo supérieur, yo gagné, il a joué dans le meilleur club en Europe. Et c'est pas même bagaille là d'ailleurs tout là dans yo ces deux gars sont vraiment et cap bien vivre yo bagaille à penser à lui et qui est différent de nous-mêmes mais nous-mêmes tout et au moins et nous ça montrer que nous sommes petit pays qui aime le football et qui compte jouer au football et sauf que nous pas encadrement et malgré l'équipe haïtienne vraiment qui pas capable même et essayer multiplier et 5 passes pendant Argentine bat non 4-0 et Argentine bat Argentine bat une équipe vraiment l'obgardé et qui pas prenable Argentine prenable l'obgardé plusieurs accélérations que monsieur fait soit avec Zachary Rivo et c'est parce que nous toujours pêché dans dernier passio et mais où est n'a passé facilement et donc pas très mes opposition qui va essayer dans du tout surtout okay. En deuxième partie face à l'Argentine. Mais guidez nous tout et vous connaissez une équipe même si vous t'a posé une question pour nous parler de l'équipe ça et comment l'équipe ça va le camper et qui j'en joué où est non peut-être t'es capable en mes yeux et pour nous dire mais comment l'équipe l'aille mais comment l'équipe l'en paye ça que nous connaissons nous connaissons c'est des professionnels. Et des professionnels qui attendent à n'importe quel moment yo capable convoquer en équipe nationale et Marco là qui lui-même a coaché équipe ça moi crois que élément que le gagne amène hier yo c'est pour la première fois li gagne un groupe et qui constituait une équipe c'est sûr que son équipe n'a pas cherché mais nous peut-être capable éviter les dégâts ou du moins est-ce que c'est ressources nous pas gagné qui fait que nous pas capable faire brique là et dans deuxième mi-temps c'est un match pratiquement à sens unique moi même depuis me connais né m'a regardé football haïtien même si nous pas capable nous pas et comme si nul comme ça dans deuxième période match football ça c'est vrai c'est des garçons que nous même nous sont à regarder et nous comprendre que niveau argenté ou pas trop élevé. Mais par rapport à match ça ou déjà pas capable expliquer au monde qui ça qui t'est passé qui ça pas passé mais moi-même moi pas attendre à mieux puisque poko connaît équipe là poko connaît joueur yo et à partir de là me pense que monsieur une prochaine sortie puisque c'est un assemblage que il t'a fait et puisque son essai que il t'a fait mais essai à pas croire que c'est devant sélection argentine là pour nous dal faire mais par contre c'est football. Genre de essai ça est li bon pour nous si toutefois nous sorti positif là dedans parce que il y a d'autres pays qui a regardé match ça c'est sûr que capable et convoiter quelques un joueur qui gagne cap jouer dans championnat à partir de défaite ça qui ça nous dit tête nous dit tête nous faut commencer construire une équipe à la base et même si tu as gagné des joueurs et tant que superstar qui pas gagné yon jeu d'ensemble qui des fois a mouillé maillot pour mouiller maillot et qui des fois c'est et donc show off que joueur lui-même l'a fait qui des fois pas connaît qui ambiance caprité tanné qui gens population yé d'elle c'est sûr que le pape gagne c'est vrai que nous capable prendre des expatriés mais l'œil rencontré avec joueur pas nous yo pense que nous gagne des joueurs qui gagne expérience qui comprennent jouette là qui peut aller à l'euphorie comme quoi les un superstar je peux pas le dire bon me garder superstar là c'est première fois m'a garder là hey c'est vrai capable toujours gon monde qui a regarder comment joueur ça lui même là évoluer c'est vrai que je dis là moi pour la première fois m'a jouer avec moun ça mais pendant m'a jouer avec moun ça faut mettre dans tête moi tout que me capable font bagaille et que grand pile moun cap garder et si yo ouais que me font bagaille qui positif c'est sûr que yo capable mande qui côté joueur ça a joué et fait appel à moi pour mal jouer dans un club international. Donc hier yeah, est-ce que me capable dit son match première période là nous t'ai gagné Paris hein? Oui. Nous t'ai gagné Paris hein, puisque sous ca fait 45 minutes on va jouer contre équipe ça
et ou pour un goal et c'est coup pied arrêté ou encore c'est penalty mais ou kembe mais nous connaît nous pas jouer dans registre ça a fait quitter équipe là demain même sous pas fort même sous pas bon long balio toujours nous pêcher là-dedans parce que chaque fois moi ouais Johnny Placide li gen ballon li pas mette ballon à terre pour le construire nous pas gen capacité pour n'a pas aller vous d'un coup des équipes anglaises qui qu'on habitué faire et pour l'instant nous ouais que on pas arrêté sous même dans c'est ça donc c'est sûr que nous apprendre de compétition ça parce que genre de match ça yo la important pile pour nous pour que nous prenne galon et assurer que l'on va jouer avec des équipes qui dans même niveau avec nous pour nous faire l'essentiel ou d'accord quand même que déroute équipe nationale en face à Argentine et c'est pas forcément dans style de jeu que n'appliqué c'est parce que nous pas convoqué meilleur élément yo pendant que n'a pas minimisé joueur locaux yo on d'accord avec qui nèg la cap dans championnat national là qui puis fort était convoqué dans l'équipe nationale qui d'a bailli meilleure opposition face à l'Argentine comparativement à expatrié et que nous pour yo et derrière micro ça là si on dit mon équipe qu'on y a fait regardez hier on garçon tant que Charles Hall Junior manqué équipe haïtienne. Bon comme Charles Hall Junior attendez comme Charles Hall Junior pas joué dans championnat moi même pas trop welli pas connu dans qui niveau lié même bon garanti on est tant que Jimmy Ordena il dans top niveau dans championnat j'aime te elle t'a joué championnat l'a joué convenablement regardez et alors comme si pendant Jimmy Ordena alors oui pendant Jimmy Fabien t'a fait un plus gros match que Jimmy. Et non. Jules Valco n'a pas fait un plus gros match que Fabien. Bon, peut-être Jules là comme si ou a fait une équipe ou voulait constituer. Je connais la capacité de Jules. Mais là, moi-même, peut-être que je dois parler de Jules. Mais là, je mets en terrain maintenant. Je mets et Danny Camille là. Je mets Jimmy Orden là. Et je mets besoin de mon pointe. Peut-être rien que ça. La tête là, je mets un petit peu de bouton à essayer. Ivnenuel, ou mettez trois moun sa yo, ou mettez trois moun sa yo, kap joue football ak équipe Argentine comme si pou m'pa jwenn rien. Nan défense m'pa gen problème non avec ti Alex. M'pa gen problème à défense là. M'pa gen problème avec Ricardo, m'pa gen problème avec Michel Jérôme. Ouais. Nan mi tante an mettez nèg sa yo. Comme si pou m'pa ka jwenn un grand attaquant. Non, parce que m'pa gen problème à Dukins. Non, mais Dukens sont habitués. Donc, équipe là, les constituer autour de monsieur ça. Pas de problème. Mais au moins, nous avons bon grain de grain. Bon grain de grain, et ça pourra encore une fois faire joueur qu'on est, s'il nous top niveau, mais qui côté le cas récompensé. Alcéus a fait un bon match, il n'est pas ridicule du tout. Hein? Alcéus. Oui, Brian. Et il fait un bon match. Et il y a des joueurs. Ou gagner dans championnat bon garanti que tu es capable faire mieux. Tu es capable faire mieux si et seulement si yo ba yo possibilité pour yo et mettre talent en évidence et pas t'a gagner Will Donald Guerrier qui a joué Ligue des Champions si et seulement si il pas joué bien contre équipe espagnole si et seulement s'il va jouer bien contre équipe italienne et si à partir de match ça tout qui fait yo ouais nous mais si nous voulons ba chance avec football local là nous voulons, comme si pour le gon l'autre essor considérable à travers le pays yo, pendant que nous-mêmes n'ap jouer football là si nous-mêmes n'ap critiquer joueur par nous n'ap di yo renforcer capacité technique yo rete pour que yo joue football au niveau hein, pas occuper ça fanatique ap di parce que fanatique là t'a toujours aimé que ou gagner accepter perdu avec fierté pour qu'a gagner tout avec fierté parce que là et fuck nous capables de commencer à dire qui côté que nous gardons. Pas de problème avec les expatriés. Nous, d'ailleurs, c'est le monde qui veut jouer pour nous. Si nous apprenons la France, nous voyons comment la France compte. Si nous apprenons l'autre pays, nous voyons comment nous y est. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de toujours gagner. Mais nous apprenons bon des bons. Donc, si monsieur, ça c'est 10, ça a 10, ça a 10, je vais servir à pas maintenant, je vais souffrir avec elle, de même capable. Nous, on y m'a constant, je vais jouer dans la deuxième division championnat national. Nous te prenons notre équipe qui s'alcabaille.
ou les joueurs titulaires en équipe nationale. Non, il est constant, il est toujours constant. Il n'y a pas aucun expatrié qui était plus fort dans ce match. Ça veut dire pour nous, bon, qu'on y a là, on a bien aimé Makoladim, qualité joueur, yo, avec qualité par nous. Comment le faire pour et distinguer qualité ou encore capacité en joueur football sur le terrain? Mais vous avez tout, monsieur, hier soir, on était sur plusieurs forums. Et c'est grand peu le monde qui fait commentaire. Je t'ai suivi le commentaire avec un peu d'attention. On a le propos là. Et bon, nous parlons de Boza. Bon, on a le propos là. Qui a dit qu'il fallait obligatoirement être à Port-au-Prince pour prendre part à la 24e édition de Livre en Folie? Toutes les succursales régionales de la Unibank seront ouvertes le jeudi 31 mai de 10h du matin à 4h de l'après-midi pour vous permettre de placer votre commande. Vous ne pouvez pas vous déplacer? Faites vos achats en ligne du lundi 28 mai au samedi 2 juin sur notre site www.livrenfolie.com en utilisant votre carte de crédit ou en débitant votre compte Unibank. Gardez bien en tête ceci. Qu'il s'agisse de Livre en Folie au Mupana, de la succursale régionale de la Unibank ou Livre en Folie Online, c'est encore et toujours un choix varié de plus d'un millier de titres, mais également le même rabais exceptionnel de 44% sur tous les ouvrages disponibles et de 10% additionnel en utilisant votre Unicard. Livre en Folie, c'est définitivement l'événement littéraire incontournable de l'année. Une initiative de la Unibank et du journal Le Nouvelliste. Unibank, au service de la culture nationale. Pour vous, filariose, c'est comme une maladie qui a dormi dans le livre. Pour si la yo qui a vive avec elle, quittez au palais. Il y a une femme qu'on a crié maladie à qu'on pour qu'on est disposé font demi être sans connaissance. Ils vont côté ou allemand de travail, ils regardent visage ou ils regardent bio, ils disent tout mon est filmé mais pas travail. Maladie filariose sont maladies qui brisent en pile. Ou rien doit avoir maladie en l'âge 10 ans, 15 ans vers un don ou pas chambre développée. Ma fait population comprendre, les abeilles comprimées à pour prendre. Oui, une fois chaque année, toujours prendre bon la caillou, jouk tant docteur dit autant. Si vous avez question, relé gratis dans 37 31 30 30. C'était un message, ministère Santé publique à population. Nous tournons. Après pause là pour que nous capable continuer avec information. Alex, tu as dit un bagage tout à l'heure. M'a quitté le soin pour que nous on capable dire. Oui, nous dit que après défaite équipe haïtienne hier soir sur plusieurs forums que un fil fanatique journaliste a fait commentaire et gonne qui dit ça que moi-même et m'a regardé tout ça. M'a seulement concentré et lorsque mesdames jouent moi-même pour regarder match là et bon je ne suis pas d'accord avec lui à 100%, mais quelque part, mon bail, et monsieur a raison. Et mesdames, yo, et jouer avec équipe qui est plus forte que vous-même. Mais pendant que vous jouez avec équipe qui est plus forte que vous-même, vous sentez une sorte d'opposition. Vous avez toujours battu. Vous avez toujours battu, mais comme si et perdu et avec la tête basse, sans pas même réussir à faire un shoot sur le gardien adversaire, ce n'est pas vrai pour vous du tout. Et regardez l'équipe féminine qui a joué. Ouais, mais là, ils ont passé boule. Ils ont construit. Ou comme si un match féminin qui a fini de jouer là, ou pas songer. Et ils ont une belle frappe de Coventina. Ils ont un geste offensif fou. Et c'est extraordinaire. Ah, pour gagner, il y a un cap joué. Oui, il y a un cap joué. Un dribble. Comme si on va jouer ça à Kaye Monsieur. Et comme si on a joué chaque fois, Monsieur, qui a ballon aussi dégagé, a dégagé. Imaginons, on match a joué. Il y a un problème, non? Il y a une grosse équipe qui a perdu la possession de ballon, 74-26. Oui, total. Haïti n'a pas fait un shoot dans le goal. Là. Total de tir, zéro. Vous avez fait un tir cadré. Tir non cadré, zéro. Nous faisons 5 arrêts. Argentin fait 0 arrêts. Nous jouons un corner. Argentin fait 7.
Est-ce que ça me dit là? Ça veut dire qu'on y a là pour montrer dans quel niveau que nous y est. Pas un problème. Donc et Alexis si qu'on y a là, il dit me font équipe. Pour me jouer avec équipe. Haïti c'est ça que Haïti ça que t'as joué, m'a fait rapide. Équipe joueur locaux. N'a fait rapide. Équipe n'a fait la crase équipe. La bout de équipe qui a mené championnat qu'on y a. Oui, n'a pas équipe. La bout de équipe qui a mené championnat depuis bon équipe qui est cité. Haïti ça m'y va là. Eh ben depuis le commencement championnat, il va toujours être stable. Si monsieur ça aurait été dans top niveau, ça game pas prendre et gardien et ASA. Et il va éclaver. Oui. Défense m'a prendre Jimmy Ben. M'a prendre Jimmy Ben Alexis. Hein? Et pour l'associer avec Yuna Agami Valéry. Oui. Mais on prend Fédé Funel. Fédé Funel c'est milieu de terrain lui en équipe là. C'est l'autre Fédé à Macintosh qui joue défenseur. Non mais il joue défenseur mais il va défenseur central. Central il joue dans match et aller finale aller. Parce qu'il joue bien. Eh ben qu'on y a bon si mon petit McKinley lui. Oui, McKinley lui me fait latéral droit pour équipe ça. Et puis et latéral gauche. Colin Bamba latéral gauche là. Colin Bamba. Et je me fait la 3 ou du moins je me fait la 5. Donc ça fond ta font petit chita tout petit pour nous faire ça mais par contre non mais tant terrain on allait. Nous capons latéral, nous capons et latéral comment il s'appelle? Nous capons et nous capons la tempête ou bien dans Baltimore. Non tempête qui est-ce qui joue? Nous, bon OK. On a la Racine. Club haïtien. Racine Club haïtien. Et Vitia, ancien joueur Valencia. OK, ou après Jordani Valéris? Jordani? Et Jordani Maurice. Jordani Maurice. Latéral gauche équipe là. McKinley lui latéral droit. OK. En d'intérieur. Ou associé Jimmy Ordena. Et non, m'a prend comme médian récupérateur et m'a prend d'offrande direction comme haïtien. Bon, m'a prend d'offrande direction comme haïtien et d'offrande, il faut le talent top niveau. Non, top niveau. Parce que top des fois, on doit cap marcher boule qui gon tir lointain sûr et cadré. Et m'prend d'or avec Danny Camille et puis mettez Jimmy dans le triangle. Jimmy Camille, mettez-le. Associé d'or avec Danny Camille en derrière, comme médian récupérateur. Ok, Sandinho dans bonjour. Et puis. France Moïse, Sandinho. Qu'est-ce qu'on t'a mettez dans le doule? France Moïse, non, mettez, on prend Sandinho. Mm-hmm. Sandinho Saint-Jean. Fon Chita. Ok, parce que ça, c'est un cas imprévu. Fon Chita pour nous garder liste joueurs que nous avons, nous avons tapé sous cahier nous, pour nous garder pour nous. Et dès demain, nous avons garanti, nous avons venu dans l'équipe. Ok? Nous avons venu dans l'équipe. Nous avons dit, parce que. D'abord, non, Cavalli, nous avons dit, Ricardo Philibert. Ricardo? Oui, lié, qui est rapide en pile. Bon. Fonal vérifier encore ça c'est comme ça nous baoul sous les yeux mais gagner plusieurs autres équipes qui gagner des joueurs qui capable de faire différence là n'importe qui côté so m'ni doit pas prendre tout mais m'a prendre une graine de graine pour faire que championnat nous en ligue valeur pour faire que ça n'a pas fait à nous pas faire pour faire parce que gagne comme cap investi gagne monde cap déplacer à regarder monsieur yo. Faut montrer yo gen moun ki boye yo gen moun ki pense ak yo et gen bagay si yo fait mais ki sa ki yo capable bénéficier on joueur football kap jouer dans championnat national première division ki intérêt que le gagne pour jouer dans championnat ça qui pague l'argent alors que championnat dominicain ouvri porte li pour même grand moun même moun ki presque fin jouer championnat pour la donne dernière m'gon nouvelle là il vient garder al championnat ça championnat. Qui ça l'a fait la chercher l'argent? Si bah oui. Donc si championnat nous besoin ballon valeur qui sûr et c'est sûr que nous capables. C'est l'argent oui qui pas gagné. Pour mettre nous à top niveau et gain des équipes qui fait effort là ou est qui qualité rendement que le bail. Gain l'argent oui Wisner. Nous pas chercher l'argent. Nous pas créer moyen pour l'argent venir. Faut pas faire ça. Et bah je vais chercher l'argent. L'argent qui vient jouer nous mais faut faire premier pas. Regardez, faut aller chercher l'argent pour l'argent venir jouer nous. Bon du bol. Écoute, si par une retransmission Coupe du Monde là, mon sponsor vient dans la télé, c'est parce qu'il connaît
li gon garanti avec Télé Guinée. Une fois que le poté produit dans Télé Guinée, le monde entier produit là a bon visibilité mondiale parce que ça le bail là la joindo. Mais ou va le dire qu'on y a là qui sponsor. Son ça besoin c'est visibilité. Qui va venir investir dans l'équipe football. Ou équipe qui va faire 6 passes une coule à l'autre. Alors et puis là la jouer c'est et 50 monde 70 monde qui va regarder qui va produire. Qui dit un bagage. Qu'on y a là un monde qui gagne l'argent pour venir qui est la bail. Qui les a parlé. Le championnat national là. Just mon équipe. La pour équipe et qu'on y a là si vous mandez pour le pour équipe qu'on y a là dans moment que n'a parlé là. Pour équipe national. Oui, pour sponsoriser comme si qui cabale visibilité. Mais les... même si mon n'est pas ici qu'on y a là. Il va gagner l'autre équipe qui va choisir non. Que AEC parce que AEC depuis commencement championnat prend 3-0. Il vient prend 3-0 al marché gagner, fait match nul. En termes de résultats sportifs, l'a déposé même sur AEC et mis balle rapidement. Oui. Mais et s'il t'a gagné pour faire l'autre choix, l'a fait sous tempête, l'a prend toute équipe dans Gonorio. Fi cap joine Real du capable parce que yo mené monde monde vient garder y a beaucoup de gars gain ambiance tout cap créer ça qui était curiosité pour monde à regarder. Donc tempête a mené monde, donc c'est normal pour la chercher. Hein, Baltimore a fait effort, c'est normal pour la chercher. AEC a fait effort, c'est normal pour la chercher. À un degré moins où tu vois Don Bosco qui a commencé à mener moun oui, dans l'ouest là. Non, pas clan. Et équipe pauvre vicieux, c'est vrai, les après se voir. Ouais, yo gen moun qui a regardé yo. Cavalier même quand c'est pas la grande foule, mais on te voit. Gen moun qui a regardé yo. Donc là encore une fois, faut faire en sorte que nous mettions dans poyo. Parce que joueur football là qui ça a besoin. M'bon garanti plus gros problème quand Benzema t'a confronté en équipe Real Madrid là. C'est problème de convocation. Li wè que l'a joué dans le plus gros club qui gagne. Et pour faire équipe, il faut faire équipe là autour de club qui a mené au championnat. Et l'a pas gagné là-dedans. Vous pensez que ça ne va pas le problème? Li bal problème, mais puisque c'est professionnel, parce que moun sa yo toujours gagné. Psychologue qui travaille avec yo, yo font travail mental avec yo pour que yo capable rete dans top niveau. Et m'bon garanti, si pas un travail mental ça fait. Monsieur, ou t'as même pensé voyer l'aller et pas oublier chaque année, yo toujours dit bon, y a voyer monsieur aller. Mais yo tellement qu'on aime monsieur gon valeur sûr, monsieur gon bagaille que le poté en plus en dans équipe ça, yo conservé. Et là on conserve, c'est pas figure yo acheté. Yo acheté figure. C'est parce que yo connaît gon bagaille qui capoter en dans équipe ça. Est-ce que comment ça me dit là? Ça veut dire nous même là n'a fait football là, nous toujours à minimiser joueur par nous. Moi même bagaille équipe pour minimiser qui joue football. Et nous disons ça, on joue football, qui n'ont match football, ou font bagay qui important, ou joue bien. C'est vrai, je ne peux pas parler à tout le monde qui joue bien dans le match là, mais quand même, moi, je joue dans le coup de micro. Ce n'est pas figou, je ne peux pas acheter. Je pas des amis dans le championnat et tout joue à ses amis. Je ne peux pas des amis, mais tout joue à ses amis. Parce que c'est pour moi à jouer. M'songe... Et c'est l'heure où je joue bien. C'est l'heure ça moi même fin chita de micro ça m'a parlé bien de vous. Pour le passé dans affaires Copa América que Brésil pas contre 3 points sérieux, ils ont toujours une équipe de seconde zone là comme si ils prennent une équipe un club qui font une bonne saison dans championnat là et ils disent à Copa América. Et dès qu'on fait ça et pour le passé, moi bon, ça comme garantie équipe AS sacré champion. Point AEC en entier a fait jouer face à Argentine hier soir, il pas prendre 4-0. Et bon dieu, c'est pas et pas problème. Attendez. Alexis, il faut mettre tes amis auditeurs ou bien. C'est pas problème 4-0, nous gagne. Nous te ca prendre 5-0. Mais j'aime prendre 4-0. Mais c'est façon que n'a joué. Parce que imaginons l'Espagne, il bat Argentine 6-0. Argentine qui a préparé un mondial. Argentine qui gagne gros superstar la donne. Il prend 6-0, voit même nous même qui a bricolé. Hein, qu'après jouer par ci par là, qu'après le faire première connaissance, premier zam en dans en sélection. Nous va rabat, mais façon que nous jouons, les deux devants. Ou pas foutir dans gol là. Est-ce que c'est une capacité nous alors que des fois nous rivé devant camp. Nous rivé devant camp. Donc là nous avons un problème. Qui problème que lié?
Est-ce que tout autant ou qu'on est à monter sélection nationale, nous pas jamais capable gon grain joueur qui fait partie de sélection, hein? C'est sûr que n'a toujours joué dans championnat clopi clopa. Ça veut dire tout autant que n'a monté sélection tis amis. Depuis sélection tis amis n'a fait. 10 amis, on l'ont dit un trois fois. Bon, trois fois. Vous c'est 10 amis. Sélection tis amis. Là on va rendre mon yo relé non. Eh mais tis amis. Et Makola a dit que mais et tis amis. Tis amis. Tout même ça aussi en fonction tout en a monté sélection tis amis de pas plus chambre capable vraiment gon équipe compétitive. Alors bon, ça sont l'autre débat. Lorsque nous décidons de faire bagaille, nous vraiment l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, moi pourrais n'a gon vraie équipe. C'est madame yo qui a fait ça à faire là et pas comme si par exemple les femmes qui a joué et football là dans pays hier. Mm-hmm. Et c'est avec eux on gagne, nous kebem avec eux même bon ça gagne ti gagne là dedans qui fait sélection là. Si comme si tu gagne même quantité et femme qui a joué football même j'ai garçon là et même si tu bon tant que tu bon il va la convoquer parce que c'est l'autre parce que et discrimination ça yo t'a discriminé yo qui t'aime dire un bagaille ou songe que me dit gagne ça relé un problème de continuité dans pays là et que ce soit au niveau de l'état dans tout domaine net que ce soit au niveau football et nous gagne un paquet de bonne belle génération qui connent le football, qui passait dans moins de 15 ans, U17, jusqu'à ce qu'on fait U20, belle génération, Amissi Esso, et t'es gagné. Aura Lucas Junior, oui, Aura Augustin, Ismaël Voltaire. T'es gagné pile belle joueur football, côté où? Mais, Ouron, Ouron. Et c'est pile gros problème. Son problème ne va jamais se résoudre, non? Depuis tantôt et 15 à 20 ans. Non, nous va jamais essayer créer une condition et pour jouer nous yo durer dans jouet là. Pour nèg comme si nèg pas capable gagner million même avec Messi, mais au moins li a vivre bien. Li gon maison habitable, li voiture et la toucher bien madame les petites li li occupé convenablement, li cap vraiment font main levée pour famille, comme ça, hey, n'est pas toujours la jouer, la prêter, il pas besoin comme si al passer mise en Fredia et aux États-Unis ou encore en France, majorité bon pied nien. Regardez là, nous gen nèg qui campe jouer football à 25 26 ans, oui, qui fait gros vent USC, al passer mise en Fredia, bonjour. Charles le Junior. Charles Junior, gros attaquant, bel joueur football. Ah, il y a une là qui a un boubou là. Regardez. Eh bien, Charles, à qui la Charles de Grampé? Charles dans 26, 27, 28 ans, yo, et Charles bloqué le USA. Souba balan. Parce qu'il n'a pas joué dans rien. Mais souba balan. Dans l'époque Charles Campé, c'est dans l'époque vraiment où il a joué un bon Charles Junior. Oui, parce que maturité, il est démise. Je vois ça. N'oubliez si la vie a joué Charles Junior. Non, goal cup. Bay Équateur 2 goals Haïti bat Équateur 2 goals à 0 Fernand Bruno a fait ça Fernand a gardé match tout regardez bambou l'obtend des bagages ça ou obtend des bagages ça ou songe tacte fait par le passé ou regardez vraiment jeune gars fini jouer son bagage terrible alors que c'est deux générations différentes parce que les et époque Charles Allen Junior pas te gain moyen de jouer là pour rien de comme ça non et kounia la gain des joueurs m'bon garanti qui a touché 25000 goud 25000 dollars non équipe pour une seule série. Et gagne pipiti hein, gagne cap toucher 5000 dollars haïtien, mon bon garanti ça parce que longtemps pas de gain. Longtemps c'était fin joué et puis ou gagne loi quitter terrain, ou a privé la caillou c'est mon capote sous tête. Lorsqu'on goal ou est fanatique tellement remis goal que on fait a chaussette ou bourré à l'argent. C'est non match football sous qu'on nous pas le fond bagaille ou besoin et public là waouh ou fait et puis soit attendre chaussette ou pas rien côté pour le prendre donc longtemps tout yo te bail plus valeur avec joueur football nou yo par le fait que si ou gon championnat vacances que ou a fait ou gen droit dit bon et m'va le faire Johnny De Colline vin là ou annoncer Johnny De Colline seulement cap vini li pa pa le jouer non seulement cap vini ou gen temps ou terrain li plein donc kounya là yo pa bail valeur à joueur football yo. Est-ce que Kounia la m'a posé question? Est-ce que c'est joueur tout qui peut-être que fait que yo pa ba valeur? Parce que des fois monsieur a joué,
yo gen grosse tête ou gen loi ouais yo joue un match jodi an là ou juste parler de yo et puis devant ouais yo gen tan gon hippie nan tête yo gen tan gon on crête coq gen yo konn di ça cheveux bagay yo gen tan pa ka marcher pantalon sous tête non ça vous fait des vedettes non ou ka toujours faire mais faut rester constant oui et si c'est ou pas faire bagay là en permanence ou faire comme si m'dadou jodi an li bon ou ba moun rendez-vous parce que ou al gado match ou est monsieur ça l'a joué un bon match li nan au niveau et puis l'on invite ton moun al gade là monsieur pa gon passe que le fait qui bon on y a la qui on pral faire inviter moun nan vini nan match football bon bagay en pour exemple assez clair on parle de Johnny De Colline et pour le passé oui et pour le passé ou franchement la vacances ou annoncer Johnny De Colline ou annoncer Chalal Junior qui a venu jouer, ou annoncer Ilfen Gader. Ou grand temps plein. Donc, Terrien Gader plein à craquer. Et vous comprenez ça? C'est parce que les gens qui ont déplacé, ils connaissent que c'est Ilfen Gader qui a venu jouer. Oui. C'est Peter Jamin qui a venu jouer. Il a joué nos dribbles quand même. Il a joué un bagaille quand même qui a marqué dans le match de football. Mais quand il y a là, l'offre qui a joué aujourd'hui, là, vini, ou annoncer, ou dit qu'il a venu dans le match. Là. Les gens qui ont venu, lui, pas supérieur à nek kap chèm la vacances que même gen équipe. Konn konn sa moun yo di tèt yo, yo di oh, a ba yo konn sa bou n'ap joué. Eh ben nek nou gen la yo ka jwenn yo ka jwenn nan équipe première division tout oui. C'est ça. C'est même jantou. Ou son professionnel nan micro. Kou la si annoncé Wisner pour commenter un match men la vacances nan pays de Marchand de Saline. Le paraît gon nèg ki pa fon jou oui l'école ki ouais. Pran micro a ka pale li sale tout moun net li pa m fè match la boule la sorti en touche il pa konnen la pale pirèd ou va vèr sou terrain la pale pirèd ou monte même jantou tande ou différence là tande ou va vèr se di province parce que là nan capitale là gen boule k'ap fè match ballon saute dehors pa jèm cité non moun ballon saute dehors yo style la pale fè nan gason machine ki pèt di fò fò tout fè moun nan konnen on match football c'est en qu'on lecture d'ailleurs c'est ça ou dim. Un match football c'est en qu'on lecture que au même fait. Faut éviter virgule yo, faut éviter point yo. Les gain point doit camper. Point yo c'est ça qui rele faute, c'est ça qui rele corner, c'est ça qui rele touche. Virgule là c'est ça qui rele rentrée de touche, c'est ça qui rele changement. Les gain ça faut faire mon nan sentil et retransmission match football, il pas qu'a fait même gens l'a fait dans télé, c'est même gens l'a fait dans radio. Gon vitesse qu'on doit aller à radio que le différent de vitesse qu'on doit aller à télé et match là tout des fois c'est lui qui mène ou match là pas qu'à aller plus que où des fois ou qui doit faire match là ou pas prend feeling là dedans ou juste aller dans match là mais des fois l'on prend feeling dans match là ou fait moun envie garder match là envie tendre match là bon du bagaille et gagne Cassias là qui écrit qui dit que et il a parlé de Clair Saint et Tiga bon ça au loin on veut parler de ouais nous pas bon même quoi mon pied nous pas cité pas belle mais vous elle désigne pas cité même Maca et nous pas pharaon comme si dans génération que nous te qu'on a regardé qu'a jouer football nous pas même aller dans tirou ouais ça me dit non ça veut dire pour montrer si nous pas cité nous pas capable tant qu'on pas capable tant Koubias bon comme monsieur a parlé on aller et l'autre bois là Koubias on va dire que on faut qui monsieur ça dans bonjour qu'on y a là. Génération. Enzo Lorenz a joué football. Qui ça pour Enzo Lorenz ouais avec Wisner. Pepe. Wisner. Qui ça pour lui agir à piquer non? Wisner. Jusqu'à maintenant là. Génération. Fritz Jean-Baptiste. Oui. T'as supposé c'est l'équipe senior Haïti oui. Côte Fritz. Côte Fritz. Fritz on est pas ami bon. Eh ben l'irrité bon pas gagné. Pas gagné pour lui. Parce que au lorsque c'est professionnel ou vient jouer en côté qui est amateur. Faut que vous voyez que ou c'est professionnel. Ma par exemple avoir okay, assez clair là quand même. Chaque fois d'Alain Toby vient jouer l'MB. Il toujours montrer le supérieur et le supérieur vrai. Oui. Ou est-ce d'Alain Toby ancien attaquant comme haïtien, ancien joueur FIFA, il fait différence non. Mais s'il devient dans même niveau ensemble avec nèg qui et a shooté ballon tout corridor dans l'MB. Ou ça me dit là. Là dit ah. Coup d'Alain qui t'a joué là. Donc faut qu'on montre que même sous pas qu'à jouer touche de balle là il va supposer même genre
et bon même moi vont côté moi vais faire transmission et moi vais regarder pour moi ah pas besoin moi vais regarder pour moi standard qui gain là faut le passer parce que faut dire mais qui côté monde ça sorti en tout cas moi même Mosner en conclusion m'a dit que on monde m'a dit que Alexis féministe aucun problème moi même mesdames et dames, les messieurs décident pour faire des choses sérieux. Et qui me joue à parler? N'est pas le football. Non mais qu'on y a fondi. Parce que bah ça. Parce que bah ça. Parce que bah ça. Quoi dans tête yo? Jésus a tourné Ken Bayam contre nous avec monsieur. Attendez. N'est pas Jésus a tourné Ken Bayam contre monsieur ça ou non? Attendez. Yo bah j'aime mettre la tête gridap hein en barabon. Est-ce qu'on voit au bar les lumières? Non, c'est pour négo travail. Travail, puisque la vie, c'est un éternel commencement lié. C'est travail. Du jour au lendemain, on va faire sorgue pour faire. Et des fois, même le professeur n'a pas appelé, wow, il y a bon moyenne 6, 7, mais il pas foutu bon moyenne 3 parce qu'on travaille. Et s'il a bon moyenne 4, moyenne 5, pas on va venir pour lui dire de quoi il en est, bon faire. Et s'il a même bon faire, il fait faute dans faire tout, il y a du bail monsieur examen là pour le composer devant nous. Donc, son même façon, si c'est femme à garçon, mettez équipe U20 là. Face à l'équipe Martin Zaire soir, convenez la frappe quand même. Négla font frappe quand même. Merci tout le monde, nous te content encore une fois pour information sportive. Il était pour nous dire, rester branché radio pour suivre programmation. Quant à nous-mêmes, après nous, l'autre émission.